Yo le chat, yo tout le monde, je sais pas pourquoi je prends cette voix badass, mais c'est parce que, je sais en fait, parce que le chapitre est badass, il est incroyable. Et déjà j'ai un petit peu de retard mais c'est pas grave, c'est vous êtes habitués maintenant les gars. Je crois que vous êtes habitués, j'ai plus besoin de dire rien du tout. Salut Otman, salut à tous, salut Daniel, salut Mohamed, vous êtes déjà très nombreux les gars, j'ai l'impression que vous étiez derrière, que vous attendez juste que je lance le live. Ces dernières secondes là, enfin ces dernières minutes, j'ai un petit peu tardé. Salut Maxime, salut Slayer, vous êtes déjà très nombreux, ça fait extrêmement plaisir les gars. Franchement, on se retrouve pour aujourd'hui, pour la suite. Le chapitre va être incroyable, hein. Tout ce que je peux vous spoiler, le chapitre va être incroyable, vraiment. La SNCF, tu connais, mais je suis PDG de la SNCF, les gars. C'est moi qui c'est à cause de moi que tout le monde est en retard. Tel boss, merci, c'est vous les boss les gars. Attends, ça tu dégages. Sergio Ramos au PSG, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et ça fait bizarre, hein, de plus le voir au Real, hein. Moi j'ai... Attends, j'ai toujours connu au Real. Bah logiquement depuis que je regarde le foot oui. Mais il était pas au Real enfin le... avant les années. Parce que je suis né en 2000 les gars donc depuis que je regarde le foot en tout cas j'ai toujours connu au Real. Je sais pas c'était quoi son premier club à Ramos. Les débuts des dingueries. Eh ouais on va voir les dingueries. Les fameuses. Oubliez pas le like. Mais voilà j'ai même plus besoin de le dire. Il y a un gars dans le chat, Shiro YT, qui vous a dit n'oubliez pas le live. Enfin le like. Et le live aussi ne l'oubliez pas. Et des fois mon cerveau il... Des fois je pense à un truc, mon cerveau il arrive pas à le dire. Il dit autre chose. Séville il jouait avant. Mbappé va bouger du PSG. J'espère hein. J'espère le voir au Real moi. Ah ouais le mercato du PSG il est mouvementé à ce que je vois putain. Ils vont virer Navas. Sérieux. Il est trop fort Navas. Salut 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 Aaron. Tu t'es entraîné à Captain Tsubasa. Eh oui, épisode 2 demain sur Twitch. Épisode 1 sortira mercredi prochain. Est-ce que je peux vous montrer la minia là? Non, je vous la montrerai demain, tu sais quoi. Je vous la montrerai demain, la miniature et tout. En tout cas, demain, on commence l'épisode 2 sur Twitch à 20h. L'épisode 2 du SP Captain Tsubasa. Et l'épisode 1 sortira mercredi prochain, le best-of sur YouTube. Voilà. J'ai partagé le live. Bah, merci beaucoup, hein, les gars. Hein. Merci beaucoup. Il y a moyen de jouer à Inazuma Eleven 3 sans que ça bug STP. Non, non, il n'y a pas moyen. À part si t'achètes le jeu sur une DS. Mais sur émulateur, il n'y a pas moyen. Je suis désolé. Il n'y a pas moyen, les gars. Pogba peut être au PSG. Ah, j'ai l'impression que tous les joueurs de la Terre ils vont venir au PSG. C'est trop. C'est les tranquilles. Tous les joueurs de foot vont venir au PSG. Toutes les stars de. C'est trop. J'espère que tu t'es amélioré. Eh oui, je me suis amélioré. Vous inquiétez pas, je me suis amélioré. Je serai mieux que le premier épisode. Tu auras un arc dans ton équipe un jour. Peut-être. Tu penses quoi de mon pseudo? Eden Frost, l'attaquant de glace. Bah, basique, hein. Il est. Tu respectes bien, en tout cas, Aiden, quoi. Je pense que c'est Aiden ton joueur préféré, sans être un génie. Si le PSG ne gagne pas la Ligue 1, c'est une honte l'année prochaine. Hein. Par contre, franchement, les Parisiens, je vous aime bien. Mais si vous ne gagnez pas la Ligue 1, c'est une honte. Hein. Vraiment, avec l'équipe que vous avez, c'est clairement une honte. C'est pas la Ligue 1 et la Coupe de France, c'est vraiment une honte. La Ligue des Champions, pour moi, faut que vous arriviez au moins en finale. Sinon, c'est. Vu l'équipe que vous avez, les gars. Les Marseillais en sueur. Les Marseillais, je les aime bien parce que ma famille, moi, elle vient de Marseille. Mais je suis pas pour Marseille pour autant. Mais en tout cas, les gens de ma famille sont. Certaines personnes sont pour Marseille. Alors, les gars, c'est parti. On commence le chapitre. Du coup, voilà. Caleb, je serai. Ah, mais ça commence direct. Hein. Votre nouveau coach, mon nom est Caleb Sonneau. Ravi de vous rencontrer. Je crois que c'est le dernier chapitre de traduit, les gars. Hein. Qu'on aura hein. Après je crois que ça va commencer à partir sur du de plus en plus de japonais. On verra la suite. Mais en tout cas on profite tant que c'est traduit on profite. Il y aura le dernier chapitre aussi je crois. Nous allons combattre Inazuma Japon ensemble. Vraiment. Combattre Inazuma Japon. L'Italie ou l'Angleterre. Italie. Depuis, ça fait depuis le début du let's play je vous dis Italie. Ce sera l'Italie vous verrez. Pourquoi nous avoir choisi. C'est une directive du coach Black. Putain, pour une fois qu'il donne des consignes. Pour une fois qu'il parle en fait. Viens te mesurer à Inazuma Japon.
Compris, je ferai de mon mieux. Non, pas la peine. Comment ? Ce sera un match d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire, commandant Dark ? Coach Black, je devrais dire. Bon, voilà, ce que Caleb vous a spoil. Hein. Bon, il a fait ce que j'ai fait à peu près 50 fois durant toutes les splays. J'ai toujours appelé Dark, Red Dark. Mais bon, je crois que voilà, c'est bon. Maintenant, on peut officiellement dire que c'est Red Dark devant tout le monde, la Terre entière. Quelle grande révélation ! Mais le coach Astero Black, c'est Red Dark. Voilà. La révélation est là. Qui ne s'y attendait pas, honnêtement. Écrasé, nous. Je me contrefiche de la victoire. Amir, toujours là. Le vendeur de kebab. Détruire Inazuma Japon. C'est compris. Faisons-le, coach Stonewall. Allons-y. Nous jouerons tous sous la même enseigne qu'on nommera la Rébellion Japon. Ah, c'est avec un seul L, Rébellion ? Attendez, j'ai mis deux L dans le titre. Oula. Attends, c'est avec un L ou deux L, Rébellion ? Attends, là, ils m'ont mis un doute. Stormulf. Ah, c'est la finale. Ah oui, c'est la finale. Finale des qualifications. Gros chapitre aujourd'hui. MG, je m'y attendais pas. Amir a jamais dans nos cœurs. Il y a le Cassito. Ouais, ils ont une équipe de ouf. C'est l'équipe du mondial qu'on aurait dû avoir, ça. C'est trop. Il y en a avec deux L normalement. Ah, ok, d'accord. Je suis plus fort que les traducteurs. Let's go. C'est l'heure de la réunion et les autres sont en retard. Et Sky, sais-tu quelle équipe on affronte en finale? On le saura que demain après-midi. Les Emirates Arabes Unis vs l'Ouzbékistan. Tout dépendra de ce match. Ok, donc là c'est en Jap. Ok, ça doit être pas très intéressant. Ouais, effectivement, c'est pas intéressant. Très très bien. Bon, là c'est du Jap, hein, les gars. Je pense qu'ils sont en train de se dire ouais, on est motivés. Voilà. Ah oui, dans l'animé, Victor, là, il est en train de dire qu'il a un rival dans l'autre équipe. Qui. Donc, Bailong, voilà, il est en train de dire que. Qu'il a un rival, quoi. J'espère que là, ça va rouettre en français. Ah, c'est bon. Le hasard fait bien les choses. Rem, si j'ai fini de regarder Galaxy, tu commences un let's play dessus. Coïncidence, je ne pense pas. Eh non, tu vois, on est synchro. Salut, première fois que je suis sur un tel live. Bah, bienvenue à toi. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Hein. Le gros gratteur, tu sais. Tout le monde se rassemble. Le programme de cet après-midi a changé. Nous allons jouer un match amical. Jouer un match amical, qui affrontons-nous? Vous le saurez une fois arrivé sur place. Rendez-vous au terrain du port des yachts. Pourquoi jouer un match amical si soudainement? Parce que vous êtes nuls. Allons-y, Arion. Oui. Ok, match amical, les gars. Match amical, c'est parti. Bon, en vrai, je kiffe vraiment, par contre, les paysages en galaxie sont vraiment bien. Et franchement, ça rattrape le niveau de... Le niveau du scénario, quoi. On va dire. Faire des matchs contre les abos. D'ailleurs, peut-être un live XP recrutement la semaine prochaine. Tout dépend de ce qu'on va avoir à la fin du chapitre, de comment le chapitre va se terminer. En tout cas, il y a beaucoup de chances. C'est soit la semaine pro, soit celle d'après. Live XP recrutement. Du coup, j'ai une question, les gars. Vous préférez que je le fasse sur YouTube ou sur Twitch? Mais si je le fais sur YouTube, ça veut dire on repousse d'encore une semaine le chapitre d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça rend, le live XP recrutement remplacera le live chapitre qu'on fait d'habitude. Ça remplacera le samedi. Si je le fais sur Twitch, ça sera le samedi, il y aura toujours la suite, mais ça sera le mercredi plutôt. Donc dites-moi le chat, puis peut-être je ferai un sondage. Twitch, YouTube. Twitch. Bon allez, c'est quoi, je ferai un sondage. Je sais pas, c'est serré quand même, il y a peut-être un peu plus de Twitch quand même. Ouais, c'est serré. Vous m'aidez pas trop là. Moi je ferai un sondage Insta comme ça au moins. Ou un sondage Twitter, je sais pas. Bienvenue à tous, l'équipe adverse va bientôt arriver. J'aurais dû sauvegarder. Putain, mais quel boulet. Ah, toi ta gueule.
J'arrête de sauvegarder, les gars. Putain, merde. Ok, bon, bah, tant pis. Rip. Putain, c'est de patate. Ah ouais, non mais... Il a fait une explosion nucléaire, le mec. Ah non mais là c'est les All-Star. Putain. Oh, l'équipe de baiser. Ah, ils ont une équipe de bâtards. Putain, je suis jaloux de leur équipe. On peut pas inverser. Je fais le match, je suis dans le... je fais l'autre équipe à la place de jouer Inazuma Japon là. Bye long. Avec les joueurs de la route du sacre. Ils vous serviront d'adversaire pour ce match. Hein? Vous avez devant vous la Rébellion Japon et je suis leur coach Caleb Sunwall. La Rébellion Japon? Ça faisait longtemps, Victor. On va enfin pouvoir s'affronter de nouveau. Hey Doug, c'est quoi ce délire? Nous sommes venus aujourd'hui pour vous écraser. Ah oui, il est toujours aussi sympa, lui. Eh bah, Doug, il a trop de flow, hein. Même leur équipe, elle a trop de flow. Nous écraser. Ah oui, ils sont vraiment pas là pour rigoler, hein. Nous allons commencer le match. Venez me voir lorsque vous êtes prêts. Et ils rigolent zéro. Et la musique là, trop épique. Oh là là. Là tu sens que ça va être un putain de match. T'sais, là tu sens que ça va pas vraiment être un match amical. Attendez, je sauvegarde, les gars. Chuck Terry, c'est la fusion de Bailong et Mark. Ouais, bon. Ok. Ah, dommage, on peut pas savoir ce qu'ils disent. Mais lui, je suis sûr, oh, mais ils veulent nous exploser, hein. Regardez comme il s'échauffe. Lui, c'est qui, lui? Alors, lui, je ne connais pas. Non, c'est juste un mec. Ok, d'accord. C'est juste un pur random pour faire un défi. Bon, allez, c'est parti, les gars. On a sauvegardé, du coup. Là, il va y avoir gros match. Allez, c'est parti. Bah, on peut pas reculer en arrière, hein. Direct où commence le chapitre, où ça commence ultra fort. Allez, hein, on le fait, hein. On le fait, les gars. Bah, nous, on veut casser des jambes. Mais il y a le cassito en face. Attention, hein. Bon, là, toujours rien comme changement. Eh, bientôt, les gars, bientôt on aura une équipe. Bientôt on aura une vraie équipe, vous inquiétez pas. D'ici soit la fin de ce chapitre, soit le chapitre prochain, on aura des trucs. Parce que là, j'en peux plus, hein. Il y a un coffre à droite. Rappelez-moi à la fin du match, les gars. On ira le prendre. La plupart des joueurs réunis sont des attaquants. Donc là, toute cette équipe est basée sur l'attaque. Il est intelligent, hein. Franchement. Franchement, ça se voit, il a eu son bac, lui, hein. Ils ne doivent jamais être bien coordonnés. Mais j'imagine que cette équipe va nous donner du fil à retordre. Ils comptent nous humilier. Ouais. Pourrez-vous stopper Bailong? Tu sais comment il joue? Donne-nous-en une description. Oula! Il veut la description de Bailong. Alors, tout est dans la violence. Il te crée des tornades sur le terrain. Il te roule dessus. Il aime bien donner des coups. En gros, bref, tu vas te retrouver avec un ouragan sur le terrain. C'est comme si tu jouais contre un ouragan, quoi, limite. C'est mon rival, il est rapide. Bon, ça va, Victor, il est gentil. Il dit que ça, il dit pas le pire, tu vois. Le match va commencer, allons-y. Ils savent pas qu'ils vont affronter les petits nouveaux là. Les gars, je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Je vais vraiment essayer de bien jouer, mais ça va vraiment être compliqué. Donc pulvériser, que veux-tu dire par là, Bailong? Mais franchement, si c'est Bailong qui te dit je vais te pulvériser, il y a du souci à se faire quand même, hein. Les amis, les portes du mondial approchent. On doit gagner ce match amical pour faire nos preuves. Allez, c'est parti. On va leur montrer que c'est nous la sélection quand même. On va essayer, hein. Son niveau combien? Ah, 24. Ils ont 9 niveaux d'écart avec nous. 9 niveaux. Les autres équipes, elles avaient 1 ou 2 niveaux, ils en ont 9. Attends, on va regarder leur formation là. Stonewall. Ouah, il a 202 d'interception au niveau 24. Pardon. Ah non, là. Il n'y a que lui en défenseur, je crois, dans leur équipe.
205 de défense. Mais what, ils ont des stats de baiser, oh. 215 de défense. Maîtrise 142. 240 de frappe au niveau 24. Ils sont pas humains, ces mecs. Mais ils vont nous exploser. Ah non, mais ils vont nous niquer là. Ah ouais, non, mais là ça va pas être marrant là. Bon bah vas-y, on joue hein. RIP. Le C, c'est une masterclass, j'avoue. C'est la première mi-temps. La première mi-temps commence. On va voir ce que vaut vraiment une Inazuma Japon. Bah t'attends pas à grand chose hein. Ils ont des stats de baiser hein. Je sais pas s'ils sont boostés ou pas, mais ils ont des stats de baiser. Nous, notre équipe, elle est éclatée à côté. Hein. Allons-y, prends la balle, Franck. Oh. Attendez, hop, ça bug un peu. Mais comment? T'as un problème? Tu vas voir, je suis là. Porta dimensionnelle, ok. Oh, ils s'en bat les couilles. Hein. Merde, ils jouent vraiment collectif. Impossible de lire leur mouvement. Ils sont super balèzes. Pourquoi ne font-ils pas partie de la sélection? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose ici. Ils sont vraiment nuls. Donnons-leur un avant-goût du niveau mondial. Ah, il va le déchirer. Allez, bon, RIP, invincible. C'est parti. Oh là là. Oh mais la technique est trop stylée. Je ne te laisserai pas faire. Et hop, vous êtes tombé dans le panneau. Oh le combo et les Cassito Bailong. Oh l'enchaînement de baisers. Oh là là, mais là c'est terminé. Clé de sol. Impossible de l'arrêter. Un enchaînement. Quelle puissance. Je vais le stopper. Ah non non, je pense pas que tu vas le stopper non. Oh V2. Ah non non non. Ouais ouais non mais là. RIP le gardien ouais. Terry, est-ce que ça va? Quelle frappe. Rien à voir avec ce que j'avais vu auparavant. La balle était si vive et si lourde. Et dire que Ricardo tient tête à de tels joueurs. On n'a pas le même niveau, tu comprends. Ricardo. Ils nous ont montré un tir enchaîné dès le départ. Ils n'ont pas l'air de plaisanter en disant vouloir nous écraser. Tant que nous serons encore debout, ils continueront de nous attaquer comme jamais, faisant de notre mieux. Je ne pense pas que ça va être aussi facile. Là, ce match a aucun sens. J'avoue qu'il y a franchement... Il n'a aucun sens, hein. Enfin, c'est comme si tu faisais affronter des professionnels de foot, tu vois. Là, tu prends l'équipe de France de football, là, actuelle. Tu les fais jouer contre le Poitou-Charentes FC. Ou je sais pas quel club, j'en sais rien, un club amateur nul. Et ça n'a aucun sens. Le but de ce match est de leur faire comprendre cela avant la finale. Ok, il va nous faire comprendre quelque chose. Les amis, le match ne fait que commencer, on va se reprendre. Je suis limite content de revoir El Casito, Bailong et tout. Tu sais, je m'en bats les couilles si on perd. Je suis trop content juste de les voir. C'est Jones, le mec des pirates. Tu ne passeras pas. Oh, mais il s'est fait démonter. Et le match va être full scripté, je crois, hein. Un tel bloc ne peut pas me stopper. Pas encore, attends. Mauvais défenseur, j'y vais. Franck. Je sais pas ce qu'il a encore, il y a des problèmes. Oh putain, merde. Parade fatale. Allez. J'y crois moyen, mais allez. Là, c'est pas scripté, je crois.
180, non, il fera moins. Ou alors il fera un tout petit peu moins. Oh non, beaucoup moins. 136. Oh là là, oui, tape-toi la tête avec le ballon. Allez. Heureusement, ils ont pas JP Léo Messi. C'était terminé sinon. Bon, allez, les gars, ça joue. Là, on peut jouer enfin. Tactique spéciale. En vrai, non, on fait rien pour l'instant. Pour l'instant, on fait rien. Juste on... Oh putain, la vitesse de Bailong. Usain Bolt, le mec. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait. Allez, Falco. Usain Bolt, le Bailong. Putain. Ces gars sont vraiment forts. Mais en tant que représentant du Japon, je dois les battre facilement. Allez, Arion, une technique. Tu peux le faire, Arion, V3. V3. Oh, let's go, Arion. En fait, il n'y a que Arion, il est fort hein, dans notre équipe. Hein, avec Victor et Ricardo. Vas-y, Arion, tu vas faire la passe à Victor. Victor, viens. Toujours en train de se cacher de la balle. Allez, tire. Est-ce qu'on peut marquer un but? Je fais quoi, les gars? Je fais quoi? Flèche des ténèbres ou envoi des ténèbres? Je fais quoi contre Quentin? Il a 169 de valeur. On a 79. Je fais laquelle? Je sens en tous les cas, de toute façon, il va nous défoncer. Flèche. Flèche, flèche. Allez, bon, allez, je vous fais confiance. Je n'ai pas oublié l'humiliation de la route du Sagra. Approche-toi, montre-moi ton tir, je vais l'arrêter. Oh, ils ont fait des dialogues et tout, c'est incroyable les dialogues. Flèche des ténèbres. Allez, Victor! Pour la route du sacre! Oh non, arrêt normal! Arrêt normal, ce chien! Il a fait un arrêt normal! Ah, mais là, c'est n'importe quoi! Hein. Un arrêt normal! Non, mais là, c'est n'importe quoi! Hein. Oh là là. T'es nul. Il a humilié Victor, mais après c'est Quentin aussi hein. C'est pas n'importe qui. Oubliez pas Quentin le gardien invincible. Il s'est pris 0 but du let's play striker avec nous je crois. 213, non mais toujours plus. Ah vas-y 3-0. Quel est ton épisode préféré de la saison 3 et Nozoma FFI? Oh là, c'est trop dur ça. En vrai, mes deux matchs préférés de la saison 3, c'est le Little Gigantes, la finale, et Orphée. Hein. C'est mes deux matchs préférés. Hein. L'Orphée, il est tellement bien ce match. Tellement sous-coté aussi. Ça finit sur un match nul, donc au moins, tu vois, le scénario était pas prévisible. Parce que c'est chiant s'il gagne tout le temps, tu vois. Et il y a la rédemption de Redark. Il y a le duel Jude Paolo dans le match. C'est un duel de tactique aussi. C'est un duel, c'est un match de fou. Hein. Moi, c'est mon match préféré, je pense, d'Inazuma avec la finale du Tal Gigantes. Hein. Fais chier. Franck, qu'est-ce qui t'arrive? L'arrivée de Nakata aussi. Hein. Et là, pour l'instant, on reste dans ce match. On est dans ce match, on reste dedans. Oh, Ricardo, il peut-être prendre la balle à Bailong. Oh, Ricardo, bien joué. Oh, bien joué, Ricardo, il a pris la balle à Bailong. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont rapides, sa tante. Allez, s'il te plaît, fillette. Fais pas de la merde. Oui. Il y a la fille qui retrouve la vue, mais elle, on s'en fout un peu, elle. Non. T'es trop nul. T'es le pire attaquant de ces dernières années. Putain, pire que Germain, oh. Oh là là. Le mec, je fais une passe donnée, ils font un oups. Oh, il y a El Casito, là, j'ai peur de lui. Allez, ça dégage. Putain. Ils perdent des pétés au moins. Ils perdent des pétés ou ils perdent pas de pétés? Ils perdent des pétés, heureusement. J'aimerais au moins mettre un but à Quentin. Tu vois la fierté que ça pourrait être. Vas-y. Est-ce que là peut-être, je n'y crois pas une seconde, mais ça aura malentendu. Allez, 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 allez. Un coup de poing.
Oh, il s'en bat les couilles. Il s'en bat la race. Il s'en bat la race, hein. Oh, 130 de valeur, non mais c'est... Non, ils sont trop forts, hein. Ils sont trop forts. En plus, ça joue technique, ça joue en passe. Première équipe qui joue en passe de tout l'animé. Putain, il va marquer un triplé, lui. Ah, c'est terminé, hein. Oh là là. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Je veux pas me prendre le rang S. Au moins, je vais pas prendre le rang S, les gars. Je vais tout faire pour pas me prendre le rang S. Bon, c'est la mi-temps. Oh là là, putain de merde. 4-0. Ils ont plus de possession. Après, on a un peu plus de technique et ils ont plus de tirs. Oula, oula, oula. C'est trop épuisant. C'est bizarre, on aurait pu mieux faire. Plus j'essaye de tenir le rythme de la rébellion au Japon, plus je me sens fatigué. Ça ressemble plus... ça a de l'autodestruction qu'à un simple entraînement. C'est un groupe d'amateurs. Il n'y a que les trois joueurs de Raymond qui arrivent à s'en sortir. Plus ils seront impatients, plus ils dépenseront leurs énergies. Ils seront donc épuisés en rien de temps. Ils ne peuvent pas partager, pas gagner en apprenant quelques techniques. Ils doivent en effet découvrir le champ de bataille du foot. Ah mais lui, si je me rappelle, c'était le mec de la Voie Lactée. Je pense qu'ils auront besoin d'encore un peu de temps pour le comprendre. Je pense qu'ils peuvent aller de l'avant s'ils arrivent à gérer leurs lacunes. Ils ne voient le football que de manière superficielle. Ah mais Bailou, ils doivent avoir tellement la mort quand ils voient leur niveau. C'était un jeu de bas niveau. Ce n'est pas vrai. Attends. Ne fais pas une tête pareille. Tu t'es blessé à la jambe. Je l'ai juste tordu légèrement. Let's go. Let's go. Bailong dans l'équipe. À la place. Ce n'est pas un gros problème. De quoi as-tu peur? Hein? La vérité, je suis content. Je peux pas cacher ma... Dès qu'il y a un joueur qui se blesse dans mon équipe, je peux pas cacher ma joie, les gars, c'est pas possible. Tu peux également te blesser et perdre la vie. Oh, parfait. Ne le penses-tu pas ainsi? Je comprends les craintes que tu as si tu continues de forcer. Tu ne pourras plus rejouer au football. Mais c'est vrai qu'il est orphelin, faut pas le cacher, les gars, il est orphelin. Le football n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Ah non, il est pas orphelin. Non, il est pas orphelin, qu'est-ce que je raconte? C'est qui l'orphelin déjà dans l'équipe? C'est Zippy. C'est pas Zippy l'orphelin? Si de fuir tes peurs, le football te dévorera. Qu'est-ce que tu veux dire? La dernière fois, on avait vu qu'il y avait un orphelin. Mais je crois que c'est le mec détective. C'est ce que tu dois comprendre par toi-même. Victor, c'est devenu son mentor à lui. Hein. C'est Kinan, ouais. Ah oui, c'est Kinan. J'ai confondu avec Zippy. Enfin, je voyais qui c'était. Je savais que c'était le mec roux, là. Mais je savais plus comment il s'appelait, du coup je l'appelais Zippy. Je comprends mieux l'objectif de ce match. Ouais. Et encore, on a la deuxième mi-temps. On a la... Non. C'est trop, laissez-nous. Non, ils vont nous déchirer, allez, c'est parti. Là, ça va pas être scripté, mais ça va être une humiliation. Heureusement, je connais le scénario, je sais que c'est impossible de gagner. Mais tu imagines un mec qui connaît pas le scénario? Comment il fait, le gars? Il pète les plombs. Il pète les plombs, le mec. Il se dit, il doit se dire, mais c'est moi qui suis nul ou... Oh là là. Oh, attaque ton ballon! Il bégaye devant la... Oh non. Il va encore marquer. Match Peggy 18. Et Ricardo peut peut-être t'affaiblir. Hein. 216. Ricardo, faut que t'affaiblisse. Blocage. Après, il y a peut-être un enchaînement qui va se faire plus tard. Tir affaibli. 149. Il peut l'arrêter, Terry, maintenant.
Terry, tu peux l'arrêter là. Ouais, heureusement. Pas de rang S, on a dit. Hein. Notre objectif, c'est pas de gagner parce que c'est impossible, mais d'éviter le rang S. Non, oups, mais qu'est-ce que c'est que c'est. On fait que des oups, je comprends pas le délire. J'espère qu'on pourra les réaffronter en match amico, qu'on se venge. Oh putain, comme il est sorti haut! Vous avez vu quand. Mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'y a pas le droit de prendre la balle à la main ici. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou ce goal. Là, je l'aurais lobé, mais. Il n'y a pas le droit de toucher la balle à la main là. Attends, il y a faute. Oh! Arion! Incroyable, on a marqué. On a marqué un but, les gars. Incroyable. On peut gagner. Vous imaginez, on peut gagner. Contre toute attente, ils viennent de marquer un but. Passons aux choses sérieuses. Mais le jeu est encore trop tendre. Ils n'ont pas compris ce qu'est réellement le football. Oh, le glitch, les gars. Et on a géré. Hein. Un but. Pourquoi il y a ça qui. Fond vert, il part en couille. Arion, le goat. Ah, bah là, Arion, c'est un dieu, là. Incroyable, les gars. Bon, bah, on a évité le Roes. On a réussi, les gars. L'objectif est réussi. Voilà, tu peux tirer de loin. Fais-toi plaisir, je m'en fous. Le but tard le bled. Bah, en fait, ils pouvaient pas prendre la balle à la main. Je pense que c'est peut-être un bug. Ou alors, s'ils se sont dit, il est trop loin, il peut pas prendre la balle à la main. Voilà, on a plus de blocage par contre. Bon, on en tente un deuxième. Hein. Quitte à essayer. Bien, bien. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'il peut la faire. Elle est peut-être éclatée, mais il peut la faire plein de fois. What? Attends, quoi? Il s'est passé quoi là? Trina! Attaque boule de feuille! Voilà, attaque roulade! Voilà, on va l'appeler CTLM, Trina maintenant. Tactique spéciale, bah nous aussi, mec! Triangle des Bermudes! Secteur 0. Quentin, il a eu un excès de confiance là. Oh putain, bye long. Oh, 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 on lui a pris la balle. Allez. Ah merde. Ah, excès de confiance là par contre. Excès de confiance de ma part. J'aurais pas dû. Oh là là. Vas-y, Terry. 144 avec un tir normal. Non mais. À 2-1. Allez, Victor. Falco, pas de oups. Tu peux le faire, Falco. T'as eu de la chance. Il en faut toujours un peu. Ouais, bah, des coups de poing. Vas-y, il s'en bat les couilles des techniques. Hein. Oh non. Oh là, ça joue bien en face hein. Oh là on est foutu. Là on est terminé. Copier-coller. Bye long esqui. Oh non, il est trop fort. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Ah, j'y crois moyen là hein. Un tir normal 178. Allez, c'est bon. Ah bah là il a tiré Bailong. Putain, il a une voix trop stylée en plus. Bon bah les gars, j'ai tenté hein. Au moins on a marqué un but. Je pense, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont réussi aussi à marquer un but? Parce que je pense que c'est impossible si t'as pas un bug. Oh non, ça ça pue la loose ça. Non, j'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit. Ça veut dire que. Attends, j'ai pas envie de voir un game over apparaître là. Bon, au moins on a gagné. Non, si on a gagné des niveaux, ça veut dire qu'il n'y a pas le game over.
Pendant une seconde, j'ai douté là. Ça va. C'est ça le football. Le football est comme une créature qui te dévore lorsque tu baisses ta garde. Ah d'accord. Victor, c'est un malade. Bon, je pense qu'ils sont en train de dire bonne chance pour vous faire éclater lors du tournoi national. Voilà. Ils s'en battent les couilles de nous. Tu préfères Ancestral ou Lumière Éternelle? Je sais pas, j'ai pas de préférence sur ce. C'est, pour moi, c'est les pires jeux Inazuma. Ok, je sais pas ce qu'il raconte là, mais je pense que c'est par rapport au test qu'on a fait. Il dit. Dis ouais, c'était pas très concluant ou un bail comme ça. Ou alors, mais je pense qu'il a fait ce test pour nous montrer la réalité. Nous montrer en face de nous, parce qu'on avait pris la confiance, on a gagné 2-3 matchs. Mais pour nous montrer qu'on est nul. Ah là, peut-être ça va être, peut être traduit là, je sais pas. Je pense qu'il voulait vraiment nous montrer qu'on était nul. Je pense que c'était ça, les gars. Nous montrer en face qu'on est nul et que voilà, il faut qu'on s'entraîne encore parce que faut arrêter de prendre la confiance. Moi, je sais pas ce qu'il raconte pour le coup. Hein. Oh, il y aura l'histoire de Terry, ça veut dire. C'est vrai qu'il y aura l'histoire des Terry. Hein. Oh, voilà, les gars, je sais pas du tout ce qu'il raconte. Hein. Parle à Terry qui s'entraîne seul. Ok. Je pense qu'il est à la mort parce qu'il a vu qu'il était mauvais au goal. Il s'est pris 5 buts, le pauvre. Le coffre, ah oui, c'est vrai. Alors, il est où déjà le coffre, les gars? Il était au stade, hein. On va y retourner. Oh non. Ah bah vas-y, on peut rien faire. Bon, on est obligé de parler à Terry, en fait. Bon là on est en mode linéaire, on peut rien faire d'autre à part parler à Terry. Allons-y alors. Je crois à partir de là, plus rien n'est traduit. On verra, en tout cas l'objectif est encore traduit. Au pire, ceux qui connaissent l'histoire de Terry, n'hésitez pas à nous la raconter, comme ça on saura au moins ce qu'il raconte. Parce que là je connais pas son histoire, je m'en rappelle plus. Je pense que juste là il pète la mort. Donc ceux qui connaissent l'histoire de Terry, n'hésitez pas à nous raconter. Hein. Parce que là, je vous avoue qu'on peut pas savoir. Dommage que c'est pas traduit. Ouais, malheureusement, c'est pas traduit. Hein, mais bon, on fait avec. Hein. Voilà, il pète la mort contre Ricardo. Mais Ricardo, je me demande quand c'est qu'il va respecter Terry. Rem, je te défie. C'est un basketteur. Attends, c'est ça, il y a juste ça son histoire. C'est juste un basketteur. En gros, Terry avait choisi d'être goal car ses yeux le postent solo car il était dans une équipe de basket où il croyait en la victoire. Ah ok, parce qu'il il était solo déjà en fait. Enfin, j'ai pas compris. Ok, pour info, ok. Bon, faudrait que les gars, il y en a un qui m'explique son histoire. Hein. Mais on sait qu'il était basketteur avant. On sait pas pourquoi il a voulu commencer le foot. Pourquoi il a rejoint l'équipe? Ils ont tous une raison. Bon, peut-être l'argent aussi, tu vois, mais... Ok, là, c'est clairement plus traduit, le chapitre. Hein. Bon, bah, les gars, ça va être freestyle, hein, tant pis. La prochaine fois, vous savez ce que je ferai pour le prochain chapitre, vu qu'il sera sûrement pas traduit, ou alors très peu. J'essaierai de regarder l'épisode à l'avance. Donc l'épisode, je les re-regarderai. Comme ça, je pourrais vous expliquer ce qui se passe. Parce que là, je vous avoue que... Je sais pas du tout ce qu'elle veut, là. La cousine Sky. Faut que ta style la mise à jour du patch pour pouvoir avoir la traduction du patch jusqu'à la fin. Mais là, normalement, c'est traduit, vous allez me dire. Parce qu'il est déjà installé, le patch. Hein. J'ai le plus récent. Hein.
Mais d'accord, Arion, qu'est-ce qu'il raconte? Son histoire, c'est qu'il jouait dans une équipe de basket. Et il jouait. Et tout d'un coup, il s'est mis à perdre tous ses matchs. Avec l'offre de Red Ark. Ah! Ok, il a perdu. Il commençait à perdre tous ses matchs. Et c'est avec l'offre de Red Ark de jouer dans une équipe pro à l'étranger. D'accord, en gros, Red Ark lui a dit: t'es nul au basket, mais grâce à moi, je peux t'acheter une carrière. En gros, c'est ça. Je commence à comprendre. Il voulait de la thune pour rejoindre un club de basket à l'étranger. Ok. Allez, les gars, bon, cette fois-ci, on va regarder le coffre qu'on a raté, qui était au port. Mais si vous voulez, les gars, à la fin du let's play, il y en a plein qui m'ont demandé comment mettre le patch. Le patch, je pourrais vous le passer si vous voulez à la fin du let's play. Le patch que j'ai là avec la version qui est pas toute traduite, mais il y a pas mal de choses traduites quand même. Bon, il est où le coffre? L'histoire de Trina? Non, non. Y a rien, la vidéo elle fera même pas une minute. Ah, il est là le coffre. Oh, pose de la fierté. Chez les Lakers, s'il veut aller. Il était trop fort au basket, du coup, il s'est surestimé et il a commencé à jouer solo. Ah, ok, il était vraiment fort en fait, mais juste il jouait solo. Il défonçait tout le monde, mais ses coéquipiers lui ont tourné le dos et il a commencé à perdre tous ses matchs. Ah, ok, il a foutu le bordel dans son équipe. D'accord, je comprends mieux, ok. Je comprends mieux, les gars. Ok, bon là, je skip, les gars. Je sais pas ce qu'il raconte. Là, la prochaine fois, je regarderai les épisodes, je pourrais vous raconter, mais là, aucune idée de ce qu'il raconte. Ce chapitre est mon préféré car tu peux dégager qui tu sais. On peut dégager qui? On va pouvoir virer un joueur, enfin. Oh là là, là j'ai peur de ce qui va se passer là. Est-ce qu'il va se passer une dinguerie bientôt? Bon les gars, on skip là, hein. Ça sert à rien, je sais pas ce qu'il raconte. Ah si, je sais de quoi il parle. Je crois qu'il commence à parler que c'est louche le tournoi. Il commence à se rendre compte qu'il y a des trucs de louche par rapport aux équipes adverses. Je crois que c'est de ça qu'il parle. Et lui, bon, il sait pas. Je crois qu'il se rend compte qu'il y a des trucs bizarres par rapport aux équipes adverses. Il y a des trucs pas normaux qu'on a vu. Et les deux là, ils commencent à se douter d'un truc et ils vont faire une enquête, je crois. Bon, ils se disent, voilà. Bref, Falco, il est con. Il sait pas de quoi on parle. Allez. En plus, c'est un voleur. Ah, je sais plus. Je sais plus ce qu'il disait à ce moment-là dans la chambre noire. Peut-être que Falco se méfie d'un truc aussi, mais je pense pas. Du inspecteur Gadget. Ah non, il parle de Falco. Je sais que deux, ils se doutent d'un truc à un moment par rapport au tournoi. C'était au dernier épisode, ça. Ils doutent de Falco alors. Genre, il leur a fait quoi, Falco, pour qu'ils doutent de lui encore? C'est juste parce qu'ils l'aiment pas en fait. Ils analysent l'équipe adverse. D'accord. Oh, elle me saoule à toujours être là. Hein, Arion. Il y a d'autres joueurs, il n'y a pas que Arion. Hein. Arion, il est dégoûté. Il sait qu'on a une équipe de merde. Il sait carrément qu'on a une équipe de merde. Bon, allez, on skip. Très bien. Ah, là, c'est traduit. Nous sommes parvenus. En route pour la finale des qualifications asiatiques du FFI V2. Oh là là, la frappe de Trina, elle fait aucun effort. Ah, c'est retraduit. Ok. Bon bah, c'est retraduit, les gars. Tant mieux. Hein. Ce n'est pas bon du tout, cet exercice est de bas niveau. Si je cours plus vite, je ne perdrai contre personne. Ouais, c'est ça, Julien. On avait vu les stats des adversaires, elles ont été un peu step up. Alors que lors du dernier match des contres, les Tigres de Thaïlande, je crois,
Si je dis pas de conneries. Chacun s'entraîne d'arrache-pied pour le match de demain. Tiens, c'est la finale, hein. Les gars, faut bien jouer là. Le désespoir et le stress s'installent. Le chemin reste difficile. Déjà 7 minutes et 36 secondes de repos. Je dois reprendre. Non mais il calcule vraiment tout. Hein. Je n'ai plus le droit de fuir. Les membres de l'équipe continuent de s'améliorer. Et c'est gamelle encore. Je vais tout stopper. Vous sentez le power-up de Terry arriver bientôt? Que s'imagine ce personnage? Qu'est-ce qu'il s'imagine dans sa tête? Je pense qu'il parle de Ricardo. Demain live sur Twitch, exactement. Ah, du coup, c'est re en japonais. Bon, je pense que là, le chapitre va être un peu en japonais, un peu en français, je pense. FFIV2, ok, ça va être la finale. Oh, y'a qui? Oh, y'a qui? Il a fait coucou à quelqu'un? Non, dis-moi pas qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver là. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait d'arriver là? Ah non, on va juste au stade, putain, fais chier. Ah putain, elle faisait coucou à qui? Au mur? Elle m'a fait un faux espoir l'autre encore. Bon, je crois que c'est... là ça va être la finale. JP. Heureusement alors du coup qu'il est pas arrivé. Moi je préfère Terry, hein. J'imagine Franck mettre une patate à l'adversaire par réflexe. Ah non mais là on serait disqualifié du tournoi limite. Franck il est pas violent, hein. C'est Buddy qui a des problèmes du comportement, hein. Rude monsieur vétéran. Non non, il peut plus jouer au foot lui. Je crois qu'il avait joué une seule fois au foot, c'était contre l'Académie à lui, si je dis pas de conneries, avec les anciens d'Inazuma, pour remplacer Ilman au goal. Parce qu'il était, vous savez, ils étaient en train de faire la finale du football frontière dans la saison 1, et les extraterrestres sont arrivés au collège Raymond pendant qu'ils étaient dans le bus. Et du coup, pour défendre le collège, ils avaient mis une équipe en place, et je crois que Monsieur Vétéran, la seule fois où il a joué, c'est là. Il avait joué au football. Vétéran le violeur. Là, ça c'est depuis Inazuma Eleven 2, ça. Allons au stade de la route du sacre. Donc là c'est re en français, re en japonais des fois, ok. Je pense c'est juste le chapitre, ils étaient en train de le traduire et ils ont pas fini de le traduire. Oh non, putain, non. Cassez-vous. On vous aime pas, vous êtes nuls. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Je sais pas si on peut recruter vétérans. Mais en tout cas, je pense que le système de recrutement, il doit y avoir tellement de joueurs. Je n'imagine même pas. Je pense que c'est le jeu avec le plus de joueurs, plus de techniques. Le plus complet, quoi. Dommage qu'il soit jamais sorti en France. Mon jeu va crash ici, je crois. Pourquoi il crasherait ici? Allons-y. Bon. Et bien c'est parti. Finale du chapitre. Le chapitre est passé vite du coup, hein, vu qu'on a skippé certains dialogues. On n'a pas le droit de perdre là. J'espère qu'ils sont pas niveau 30. T'imagines? Ouais, botte leur les fesses, allez. Ah là, je me rappelle plus du tout de ce match. Je sais ce qui va se passer après. Mais alors pendant, je m'en rappelle absolument pas. Je pense, pronostic. Power up de la part de Arion.
Power up de la part de Victor, power up de la part de Ricardo, power up de la part de Terry et power up de la part de Falco. Je pense que ces 5 là vont évoluer dans ce match. Petit pronostic perso. Ah oui, clairement surprendre de ouf hein. Voilà, jamais craché sur le coach Black. Ouais. D'ailleurs, en parlant de coach, il y a une vidéo top 5 des coachs d'Inazuma qui va bientôt arriver. J'ai fait top 5 all time, all saison. N'hésitez pas à me donner votre top 5 là si vous voulez dans le chat, hein, les gars. Je peux lire et je vous donnerai pas mon avis. Mais enfin, je vous donnerai pas mon top. Je pourrais vous donner mon avis, mais pas mon top. Mais en tout cas, j'ai fait un top. Je pense qu'il mettra pas tout le monde d'accord. Mais j'ai mis, je pense pour moi, les 5 meilleurs coachs, hein, clairement, de tous les temps. De toutes les équipes, de tout Inazuma, hein, de tout ce qu'on a vu. Oh, l'équipe des loups d'Ouzbékistan vient de finir son entrée dans le stade. C'est une équipe sauvage en attaque et très forte physiquement. Je ne tiens plus en place, on va aller bouffer tout cru. Ils sont arrivés ici par pure chance. On va torturer cette bande... Oh putain, ils ont du flow. Cette bande d'amateurs plus lentement possible. Ne vous affolez pas. Vous connaissez autant que moi l'enjeu capital de chaque match, n'est-ce pas? Ils disent tous ça, les adversaires. Travis, meilleur entraîneur. Il y en a deux qui sont au-dessus, hein, pour moi. Non, pas deux au-dessus de Travis, mais... Ah, je peux pas vous dire. Travis, il est sûr, il est dans le top. Mais je vous dis pas sa place. Mais il n'y a pas que lui. Et il est pas premier. Je peux vous dire, il est pas premier. Il est dans le top, il est pas premier. Voilà. L'état d'esprit des membres de l'équipe a vachement changé depuis la défaite contre la rébellion Japon. Même si Travis est clairement l'un des meilleurs, il est pas premier dans mon classement. Les amis, c'est mon préféré en tout cas, mais il est pas premier. On s'est entraîné dur, on doit dévoiler notre nouveau football. Amir le premier. Amir dans le top. Ah la connerie, putain. T'imagines le troll? Oh les cracks du chat. Amir et Mondi. Monsieur Winters en premier. Monsieur vétéran en premier. On va répondre au football. Après cette victoire, nous jouerons le mondial. On doit à tout prix gagner. Ouais. Ils sont chauds, on est tous chauds là, allez. Pour cette finale. Allez, on sauvegarde les gars et on va enfin jouer la finale. C'est parti. On va parler à Sky. Ah non, parle à lui. Ah mais faut toujours parler à lui là. Alors c'est parti, ok, Ricardo, Terry, Trina. Ok. Mais pour le patch je vous le donnerai à la fin du let's play, le patch que j'ai utilisé. Regarde mes progrès Ricardo. Ok les gens, le match opposant Inazuma Japon au Loot. Ok les gens. De quel commentateur dit ok les gens? Ok les gens. Le match opposant Inazuma Japon au Loot Uzbekistan va commencer. Je dois conduire mon équipe vers la victoire. On doit gagner. Il a vraiment lâché un ok les gens. Ok les frérots. Ok les Rey. 19, ça va, c'est plus abordable. Gargarin. Le mec de la mafia lui. Mafia russe ce mec. Allez c'est parti, finale. Ils ont l'air forts hein. Gargarin. Force moins 50, PE plus 50. Ok. Musique des anges noirs. Putain vous connaissez tout par cœur. La chaleur a atteint son point culminant au stade de la route du sacre aujourd'hui. Après tout ce chemin parcouru, Inazuma Japon doit encore faire face, doit encore faire ses preuves dans ce match de folie. Allez Arion! Y arriveront-ils? C'est le dernier match avant de commencer le voyage tant attendu. Mais vraiment, elle m'énerve Sky parce qu'elle pense qu'Arion, il y a d'autres joueurs qu'Arion dans l'équipe que tu dois encourager.
connasse. Bon, les gars, je retire le connasse, je suis un peu en roue libre. J'espère que tu comprendras vraiment ce qu'est le rôle de gardien, Terry. Le football est un sport d'équipe, même pour le gardien. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Si tu t'en rends pas compte aujourd'hui, nous perdrons ce match et dirons adieu, FFI. Toi, tu te mets pas la pression là. Allez, c'est parti. Scripté ou pas scripté? Pas scripté? Attends, vraiment, c'est pas scripté là. Oh, la surprise, c'est parfait, je m'attendais tellement pas. Falco? Invincible, putain. Vas-y, il marquera jamais, Falco. Allez, frappe parcours, il marquera jamais. Il marquera jamais. En tous les cas, au moins ça fait améliorer sa technique. Ouais, il utilise même pas ses PT. Je pensais qu'il allait l'utiliser. Victor? Allez, Arion! T'as la musique, elle est trop stressante. On va faire un tir. 97. Il utilise pas ses PT, hein. Ah, il y a Rosie, ouais, c'est vrai. Heureusement qu'elle est plus là. Nous ne perdrons pas. On ne doit pas les décevoir. Gagnons. Tu ne passeras pas. On se calme, Gandalf. Qu'est-ce qu'il veut faire? Trop lent. Route de la soie. Oh, t'as le désert. Oh, je vais stopper son tir. Tu prends trop la confiance. Et c'est pour ça que nous allons gagner. Ruée vers l'or. Wow, les techniques sont stylées. Et la vérité, il y a une vraie technique comme ça sur le terrain. Moi, je cours pas arrêter la balle. Hein. Je cours prendre l'or qui vient de tomber sur le terrain. J'en bats les couilles de la balle. Hein. Ouais, vas-y, 1-0. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué, les gars. Mais pourquoi j'ai fait autant d'efforts ces derniers temps? Merde, j'arrêterai le prochain. Ma manageuse préférée? Alors, dans, je vous le dis bien, dans Go, j'en ai aucune. Peut-être Jade, mais un peu plus. Mais dans Go, la plupart, j'en ai rien à foutre, hein, des manageuses dans Go. À la limite, celle que j'aime bien, c'est Nelly, Sylvia, Celia. Mais dans, et Camélia aussi, un peu. Mais dans Go, vraiment, là, je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Terry, je suis là pour toi. Tu dois t'en rendre compte. Je peux t'aider à bloquer les tirs ennemis. Essaye de comprendre. Ils ne doivent pas encore marquer. On peut résoudre et surmonter cette situation. On doit y réfléchir, Zippy. Faisons-le. Si nous ne trouvons pas cette solution, ils vont nous humilier. Allez-y, hein. Je pense que ça va être eux tic et tac maintenant. On doit marquer un but et remonter. On doit le faire. Je dois faire de mon mieux. Que leur arrive-t-il? Des fois, la motivation, ça suffit pas, hein. C'est beau d'être motivé, hein, mais il faut un peu de talent aussi. Je l'ai eu. Le ballon quitte de nouveau les pieds des joueurs d'Inazuma Japon. Nous assistons à une nouvelle contre-attaque des loups d'Ouzbékistan. Les mouvements des autres sont bizarres. On va abattre ces loups. On ne peut pas perdre. J'y retourne. Ils font pitié. C'est un bâtard. Ils voient la vérité en face. Ce n'est pas parce qu'on a fait un entraînement spécial qu'on devient des champions. On ne peut même pas leur prendre le ballon. Que doit-on faire, Arion? On ne fait rien. C'est inutile. On doit trouver une autre méthode. Non mais bah, d'accord. Dis-nous la méthode, non? Aurélia dans la reste, la best manager. Ça va, je l'aime bien. Oh là là, c'est 1-2. C'est 1-2, Victor. C'est toi, Victor, qui va marquer. Invincible, putain. Attends, quoi?
J'ai tiré à côté là ou quoi? Attendez, j'étais en face des cages et il y a tiré à côté. J'ai encore fait de la merde, je crois. Mais j'avais tiré dans les cages, c'est quoi ce bordel? Ah, j'ai pas compris. Hein. On va oublier ça. Hein. La vérité, je sais pas quoi faire pour l'instant. Je peux rien faire. Ils tiennent le score, tu peux pas marquer. Tu peux juste essayer de les affaiblir à la limite. C'est ce que Falco va faire. J'ai toujours pas compris par contre la différence entre le tir à gauche et le tir à droite. Hein. Faudrait qu'il y en ait un d'entre vous qui m'explique, les gars. J'ai toujours pas compris. Voilà, c'est ça. Il faut les affaiblir. Bon, mi-temps, on perd 1-0. Ça va. Hein. Heureusement, c'est pas deux buts scriptés, mais bon. C'est vrai, on a une nouvelle technique, c'est sûr, c'est sûr. C'est son histoire, là. C'est le moment. Notre adversaire a complètement dominé le rythme de la première mi-temps. Tout le monde va bien. Si vous jouez calmement, vous pourrez mieux récupérer. On n'arrive pas à conserver le ballon. Je ne veux pas faire de calcul, mais nos chances de gagner sont très faibles. On ne peut rien y faire. C'est dur à admettre, mais nous avons fait de notre mieux. Si nous continuons ainsi, personne ne se plaindra. Je ne veux pas perdre de cette façon. C'est pour ça que je n'abandonnerai pas. On doit à tout prix gagner, parce que c'est le dernier match avant le mondial. Le dernier match? On ne pourra plus jouer au foot si on perd ce match. La sélection du Azuma Japon sera dissoute. Le coach tiendra donc sa promesse. Et nous prendrons des chemins différents. Les conditions du contrat ne comptent plus à présent. N'est-ce pas mieux ainsi? Je le savais. Mais Red Arc, il aurait dû mieux négocier le contrat. Je comprends mieux maintenant. On ne pourra pas échapper au mondial si facilement. Je n'ai pas pu faire face à mes peurs qu'après avoir rejoint cette équipe. Rencontrer le capitaine, jouer au football ensemble. Le football n'a-t-il pas changé une partie de vous-même au cours de cette aventure? N'ai-je pas raison? J'ai découvert la joie d'être meilleur avec tout le monde grâce au football. Ça ne peut pas résoudre des problèmes seuls, on peut les faire à deux. C'est comme ça que nous avons trouvé la clé de la victoire, Zippy et moi. Mais même si nous perdrons, nous serons fiers d'être allés si loin. C'est ce que je pense en tout cas. T'as pour une fois qu'elle parle, bordel. C'est vrai, rappelez-vous-en les amis. Buddy, il est énervé. Hein. Mais dans Go, on tombe toujours sur des équipes avec zéro motivation. Ouais, c'est ça qui est chiant. Encore dans une Azuma classique, tu vois, c'est juste au début. Ils ont pas de motivation. Au début de la saison 1. Après, ils ont énormément de motivation. Saison 2, ils ont énormément de motivation. Parce qu'ils ont défoncé leur collège et tout. Après, il y a eu des petits coups de barre, notamment Marc à un moment, mais c'est que des coups de barre individuels, tu vois, c'est pas toute l'équipe. Et dans le mondial, ils sont tous à fond pour gagner la Coupe du Monde. Là, dans Go, première saison, une équipe zéro mental, ils veulent plus jouer au foot. Dans Chronostone, encore, ça va. Et dans Galaxy, c'est catastrophique aussi. Hein. Il semble que nous étions trop impatients pour perdre de vue l'essentiel. C'est vrai, il est encore trop tôt pour abandonner. Si nous fuyons, la situation ne changera pas. On ne peut pas se permettre d'abandonner. Je vais faire aussi de mon mieux. Je pense que vous le saviez tous. Les amis. Ah, il y a trop de dialogue. Hein. Mais bon, vu que c'est en français, on va en profiter. Je vais les lire, mais bon. C'est inutile de jouer tout seul. S'aider les uns les autres. C'était pareil à cette époque. Ah, flashback. Quand je jouais au basket, personne ne me tenait tête. J'étais le joueur clé de l'équipe, on gagnait tous nos matchs. Mais la belle époque s'est vite terminée. Fais des passes et arrête de jouer perso. En fait, c'est hostile lui. C'est bien beau l'égoïsme, mais le basket est un jeu d'espace et d'équipe. Arrête de jouer seul, Terry. En fait, il a la même histoire qu'Austin, limite. Non merci, je n'ai aucun ordre à recevoir de quiconque. Je joue selon mes envies. Je veux jouer à mon rythme ce soir. Ah ouais, d'accord, lui il a pas.
Lui, il leur a répondu, il leur a dit non, je m'en bats les couilles. Ce sont des joueurs médiocres tels que vous qui doivent essayer de me rattraper. Ils s'en bat les couilles. Vous avez ensuite été éliminé du tournoi. Je n'avais jamais perdu auparavant. Si je faisais équipe avec de tels déchets, mon talent n'allait jamais voir le jour. C'est pour cette raison que je me suis arrangé avec le coach Black pour aller dans une équipe plus forte à l'étranger. Je ne pouvais pas. Je pouvais aller nulle part avec de tels coéquipiers. Ah ouais, non mais le gars, c'est, il est chaud aussi. Ils l'ont mis, il doit jouer dans son équipe de sa ville ou de sa campagne là. Il faut qu'il y a pas des recruteurs de basket d'habitude. Mais que je fais? Je me faisais des films depuis le début du tournoi. Ok, ok, Terry, ton histoire est cool, mais nous on a un tournoi à gagner. Hein. Après, les gens qui demandent trop la balle, c'est chiant, faut qu'ils la prennent aussi. Ouais, faut qu'ils fassent des passes, c'est vrai que c'est chiant. Après, si je jouais full perso, ouais, c'est vrai que c'est casse-couille. Après, je sais pas, j'ai jamais fait de basket en club, les gars, donc je peux pas savoir comment c'est d'habitude dans les clubs de basket. Oh putain! Mais je pense que ça doit être pareil qu'au foot, si un mec il joue tout le temps perso. Voilà, ça le prend entre deux vestiaires, ça lui dit mec, arrête tes conneries. Falco? Oh non, il est hors jeu. Non, il est pas hors jeu. On peut marquer! Victor? Bon, allez, Falco, c'est pas grave, il est en train de tirer. Falco! Power up, y'a tes frères qui te regardent. Ah, 118, t'es sûr que tu les aimes tes frères? 118. Bras élastique. Ah, d'accord, y'a Luffy en face, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le goal, il a mangé un fruit du démon. Qu'est-ce que c'est? Le temps du match place plus lentement. Ah ouais, bien vu. Première fois que je vois ça. Les clés de sol. Falco. Mais en fait là il va... Ouais c'est fini. On peut réessayer de tirer mais il va encore arrêter. Allez bras élastiques. Trina, je sais pas d'où elle vient. Heureusement qu'il y a rien, Victor, Ricardo sont là. Il est temps d'enfoncer le clou. Oh non, pas un deuxième. On doit les arrêter. Terry, c'est ton moment. On a vu ta backstory. Maintenant le power up. Hein. Pourquoi veux-tu arrêter les tirs avec une seule main? Ricardo voulait dire, bah utilise tes deux mains, c'est aussi simple que ça. Allez Terry, juste utilise tes deux mains, c'est bon hein. Je vais marquer un but monsieur le gardien. Tiens normal, oh c'est bon. Ton tir ne rentrera pas. Ouais, il m'a fait peur. Oui, la balle retourne dans mes pieds. Encore un tir. Rué vers l'or, ok. Ouais, Terry, je l'aime trop comme goal. Non, il peut pas arrêter le tir dans une telle position. Voilà, des fois, il faut mettre son ego de côté, sa fierté de côté pour faire avancer l'équipe. C'est ça que Terry l'a compris. Voilà, solo, tu peux pas y arriver. Maintenant, il a enfin compris. T'es pas tout seul, Terry. Griffe puissante. Oh, elle est incroyable. Ah ouais. Ça, j'aime. Ça, j'aime bien. Ça, je veux plus.
plus souvent. On cédera plus souvent à partir de maintenant. Ricardo, remonte le ballon. Cette OST, elle est incroyable. Ah là là, mais quel guerrier ce mec. Je doute qu'ils disent la vérité. Allez les gars, si nous sommes arrivés aussi loin, c'est pour continuer de gagner. Terry. Oui, comme le dit Terry, je vais en aller encore jouer avec vous les amis. Alors on doit gagner ce match. Oui, c'est tout à fait ça. Terry a pu arriver. Nous devons tous unir nos forces. Ouais. Ils se font confiance pour jouer. Ils ne connaissent pas l'ampleur de la déception après une grande trahison. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il a un problème ce mec. Je ne vous laisserai pas continuer, je vais m'emparer du ballon. Falco il est vraiment naze hein, pour l'instant. Naze au Japon c'est maintenant ou jamais, on peut le faire. Allez les amis, on doit passer à l'attaque. Tacticien céleste volcanique. Oh. On l'avait pas ça avant. Il vient de le débloquer là. On l'a fait. Voilà, on l'avait pas. Je me suis dit pourquoi il l'avait plus depuis Chronostone. C'est bien. Vas-y, capitaine. Oui, je ne perdrai pas le ballon que toute l'équipe a fait remonter. Tu ne lis plus? Là, j'essaye de me concentrer sur le match, tu vois. Il y a un passage important. Donc, il faut le réussir. Allez, Arion, est-ce qu'il peut... Arion peut réussir, les gars. Ouais, c'est un peu la route du ciel. Enfin, bref. Casse pas le délire, s'il te plaît. Oh 75, non mais là Rayon, je peux plus rien faire pour toi, non mais. C'est une honte hein. Je pensais qu'il allait faire un truc de ouf. J'avais dit que c'était un power-up pour lui, pour l'instant il y a eu que Terry hein. Que Terry en power-up hein. 6 de guerre. Ah les techniques c'est de plus en plus n'importe quoi. Clé de sol, faut que je fasse la passe à Victor. C'est le seul qui peut marquer. Victor il est où? Attends il est hors jeu là. Putain pourquoi j'ai fait ça. Vas-y Victor viens là. J'avoue des tactiques on en a pas trop utilisé pour l'instant. Mais pour l'instant on en a pas besoin. Victor. Allez Victor. Fais nous ta technique là. Bicycle sword. Flèche des ténèbres. Ça dégage. 1-0 les gars. 1 partout. Oh non. On l'a fait, il est rentré. Le tacticien céleste volcanique fut un succès. Oui, les sentiments de chacun ont formé qu'un. Ah putain, heureusement, je l'ai marqué ce but. Hein. Et Terry, ta nouvelle technique est incroyable. Je parie que ce sont les fruits de ton entraînement spécial. Non, c'est grâce à... Ça déclenche une cinématique qui aurait peut-être pu avoir un game over. Hein. C'est grâce à vous, les amis. Hein? Vous êtes tous là pour m'aider, c'est pour ça que j'ai pu me concentrer sur le ballon. Le tir était facile à arrêter, néanmoins il fallait de la concentration. Est-il reconnaissant désormais? On est juste en train de se vanter. Bravo les amis. Personne ne pouvait se douter qu'il cachait une telle technique. Il n'y a que ça qui compte pour eux, le fait de jouer au foot. Si nous ne profitons pas des occasions de ce match, nous allons perdre. N'oubliez pas, nous n'aurons nulle part où aller si nous perdons ce match. Allez tout le monde, si nous continuons sur cette lancée, nous allons gagner. C'est souvent le même scénario, hein. C'est souvent au début tu prends le but, et après t'as un power-up, tu remontes. Mais enfin bientôt les gars, je vous jure, on va enfin pouvoir faire des choix tactiques. Enfin on va pouvoir faire le vrai entraîneur, et on aura des choix.
notamment très bientôt, peut-être à la fin de ce chapitre ou chapitre prochain, on aura des choix extrêmement importants. Mais vraiment extrêmement. Pour, ça va tout changer le let's play, hein, les choix qu'on devra faire. Nous ne pouvons pas perdre. On n'a pas le droit de perdre. Route de la soie. J'adore cette technique. Ok, là le jeu joue tout seul, je ne joue plus. C'est ce chapitre. Oh les gars, restez jusqu'à la fin, je vous jure. Le chat, restez vraiment jusqu'à la fin si c'est ce chapitre. Nous n'abandonnerons pas. Nous allons perdre du mondial, les amis. Dribble en Z. Ouh là là. Pas au rep là. Non. Ricardo, aide-moi à couvrir les buts. Compris. Ce petit défenseur a une gamme de défense étroite. Je peux l'écarter en attirant d'autres joueurs. Vas-y, Melek. Melek. Ça existe vraiment ça? Melek. Peux-tu venir par ici? Je l'ai eu. Oh. Oh, c'est venu comme ça, hein, je m'attendais pas. Genre, il y a Kyubi en elle. Elle a du chakra. Super Saiyan. Ceux qui n'ont pas compris, c'est normal, les gars. Même moi, qui ai déjà vu l'anime, j'ai toujours pas compris ce que c'est ce pouvoir. Et j'ai hâte de voir comment il va être amené dans le jeu. Voir si c'est trop cheaté ou pas, on verra. Non, c'est pas une super technique. Mes cheveux brillent. Le pouvoir que j'ai tant cherché se montre enfin. Victor! Oh, la passe en profondeur, elle est incroyable! Plus des trucs. Voilà, c'est un totem. Totem, c'est pas le totem de Koh-Lanta, c'est un esprit totem. Un soul. C'est pas si fort que ça? Pour moi, c'est franchement, les totems dans l'anime, ça rendait très mal. Très, très, très mal. C'était dégueulasse même. J'espère que dans le jeu, ça sera mieux. Parce que dans l'anime, ils se transformaient en animaux, limite. J'étais en mode, non, mais sérieusement. À un moment, il y avait Mario, il faisait du poney sur un cheval. Non, mais c'est bon. Je sais pas ce qu'il faisait. J'ai pas compris. Genre, mais moi, j'ai pas compris. Alors, bloc défensif, qu'est-ce qu'ils me font en face là? Attaque cyclique. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de script jusqu'à la fin du match. De toute façon, il reste 5 minutes. Putain, mais on se fait sous le vax. Là, tu vas faire toute la partie révélation, tout là. Bah, on finit le chapitre. Hein. Dès que le chapitre est terminé, on s'arrête. Donc, je sais pas. Va y avoir jusqu'où. Allez Ricardo, toi seul peux le faire. Voilà. J'aimerais bien leur mettre 3-1 là. Ario, c'est toi qui va mettre. Ah non, il a plus de pété. Victor. Il a plus de pété aussi, merde. Tire. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. 97, est-ce qu'il est plus fort? Ouh, 2-1! 2-1! Victor qui nous fait plaisir, il marque 2-1. Ça, c'est la meilleure sensation, ça. Ça, ça m'arrive jamais d'habitude. Meilleure sensation. Ok, les gars, bah c'est plié. Hein. 3-1, on est qualifié.
Les totems fonctionnent avec une roulette. Oh là. C'est quoi ça encore? Oh non. Une roulette. Genre t'as 50% de force. Genre ah, ça doit multiplier ta force en fonction de l'aléatoire, je pense. Oh c'est nul. Ok. Donc là le plus expérimenté c'est Terry. Après c'est Ricardo. En même temps c'est les deux qui sont le plus entraînés. Donc Victor par contre va falloir se bouger un peu les fesses quand même. Niveau 17. Et sinon ok pas mal. Bon du coup on est qualifié. Maintenant la question, on est qualifié pour quoi? Quel tournoi? Vous allez me dire tournoi mondial. Ouais on est qualifié. Oh putain. Oh, il a gueulé sa tante. Ils ont gueulé leur race. Eh oui les gars, on peut être heureux quand même. On est qualifié pour le mondial, merde. Ah le chapitre il est fini ou il est pas fini encore? Je crois qu'il est pas fini hein. Attends, est-ce qu'il est fini? J'ai juste sauvegardé. Chapitre, il est pas fini les gars. Bon, on continue alors. J'aurais vraiment eu le seum que ça s'arrête comme ça, tu sais. Je pense que vous aurez eu le seum le chat. Oula. Ça se voit lui, c'est de la fausse joie. Ça se voit Falco, c'est vraiment de la un faux cul. Voilà les amoureux on les laisse hein. Ils vont ken à skip à la fin du let's play. Ah les gars je pouvais pas cut là. De toute façon il va y avoir un gros truc là. De toute façon si c'est pas traduit je vous explique les gars. Je vous explique les gars si c'est pas traduit. Ok voilà. Est-ce que le chapitre est pas fini encore? Oh vas-y, vas-y, c'est trop bien. Vas-y, sauvegarde. Ok les gars, on aura les explications aujourd'hui, c'est très bien. En vrai, ça aurait été le meilleur teaser de s'arrêter là. Ça aurait été la meilleure fin, genre, pour vous hyper pour la semaine prochaine. Ouais, je sais que c'est pas fini, mais ça aurait été la meilleure fin pour faire dans le prochain épisode, c'est pour couper là. Je suis sûr, l'animé d'ailleurs, ils ont dû couper là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, coach Blaze? Je suis sincèrement désolé, Arion. Putain, trop bien que ça soit traduit. Que ça, j'aurais pas à vous expliquer. Arion, j'en ai parlé à personne pour que vous puissiez vous concentrer sur le tournoi. Que voulez-vous dire? Lui, il est toujours dans des bails sombres, Axel. Toujours là où il y a le bordel, il est dans des bails sombres. Je vais vous raconter sur le phénomène qui est en train de se produire. Là, il va tout nous raconter, ok. Il y a 3 mois de cela, la Lune est devenue inobservable. Le saviez-vous? Oui, la Lune a disparu du système solaire. J'en ai entendu parler aux infos. Apparemment, il y a eu une explosion de poussière cosmique qui nous empêche de voir la Lune. Non, ce n'est pas pour ça. C'est totalement différent. La Lune a disparu, what? Ce serait stupide de croire un tel fait. Cela est un fait. Et ce fait est la réalité à laquelle vous vous êtes confronté. Un tournoi se joue dans une galaxie. Dans les 188 000 années-lumière à venir, le grand Celestia Galaxy prêt à participer. Ouah, c'est un ouf lui. 188 000 années-lumière? Foutais, je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Si vous refusez la participation, cette étoile sera détruite. J'ai hâte de voir ça. On dirait que tu ne sembles pas comprendre dans quelle situation toi et ta ridicule planète se trouve. Laisse-moi te raconter, suis-moi. Ah ouais, là, c'est vraiment n'importe quoi.
La cinématique était lourde en vrai. Hein. Longue, mais au moins elle explique bien et tout. T'as 12 ans et t'as le monde entre les mains. Comme d'hab, on est dans ce moment. Genre les aliens jouent au foot. Et pourquoi une équipe qui représente la terre entière ne contient que des joueurs japonais? Normalement là oui c'est pas normal. Dans l'anime clairement c'est pas du tout normal. Ils ont foiré, mais là vous inquiétez pas, dans le jeu ils ont beaucoup mieux géré ça. Vous allez voir. Grand CSTA Galaxy. Et moi en vrai ça me hyperait. Je sais pas si on me dit ça en vrai. Non je pense que je me chie dessus. Non même pas ça me hype, je me chie dessus en fait. Faudrait qu'on... à la Terre on ferait une équipe genre Ronaldo, Messi. On mettrait qui d'autre? On mettrait tous les plus grands joueurs qu'il y a actuellement, tu vois. Mais je pense que ça serait chaud quand même, hein. Mais normal, ça serait des matchs de ouf. T'imagines? On joue au foot contre les meilleurs joueurs de la Terre, ils jouent contre d'autres joueurs de foot. Ce serait incroyable. Ouais, la Terre sera détruite. Grand Celesta Galaxy ni yushoushi. Chikyu o sukuu tame ni omaetachi wa atsumerareta. Chikyu daihyou Earth 11. Ouais, c'est devenu les Avengers, c'est ça. C'est devenu les Avengers. Le 11 terrestre maintenant. On n'est plus une Azuma Japon, on est le 11 terrestre. Non mais alors lui, il a rien compris lui. Ouais, c'est les barrages pour le tournoi de Galaxy là. Oui, allez, ok. Il fait trop le mec, il fait trop genre, il avait compris. D'accord, ok. Lui, il a pas parlé depuis tout à l'heure. Il a juste dit c'est ce que je pensais, c'est ce que j'avais prévu. Il a rien dit d'autre. Benzema. Genre de la Terre contre Mars. Kebab extraterrestre. Venez, on prend le coach qui fait des kebabs. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Wally? Non, je sais plus comment il s'appelle. Non, attendez, ça va me revenir. Ali? Non, pas Ali, pas Wally. Amir. Voilà, on prend Amir, les gars. On prend Amir en coach. On prend Amir, les gars, en coach. Le seul, l'unique. Retournez au stade. Et c'est la fin du chapitre ou toujours pas? Mais bordel, c'est quand la fin de ce chapitre? On continue pas, les gars? On continue ou on s'arrête là? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quand c'est la fin du chapitre. Il est ouf ce chapitre. Le chapitre se termine bientôt. Continue. Allez, bah on continue. C'est parti, on continue, les gars. C'est bon. On va aller au stade. J'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte de la surprise. Au moins, vous allez voir la surprise. Si c'est maintenant, franchement, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Incroyable. Ça va être le meilleur live, hein, s'il y a le truc. Allez, il faut qu'il y ait la surprise. Le truc de ouf là. Je vais même sauvegarder. Je sais même pas si je vais sauvegarder. Je re-sauvegarde. On fait durer le suspense ici. Dans 30 minutes. Non, quand même pas 30 minutes. Arrêtez de me faire des frayeurs là. Faut que j'aille manger après. On va dire au revoir à Trina. Si seulement. Mais je pense peut-être. Il y a moyen. Coach Black. Vous saviez tout ce qui se passait depuis le début, n'est-ce pas? Pourquoi nous avoir menti? Si vous l'avez su plus tôt, vous nous serez battus pour décrocher la victoire. C'est notre jugement à tous. Essayez de tout cacher pour mieux combattre. C'est vrai, qui peut accepter de telles réalités? Il n'y avait pas de coach pour assumer de telles responsabilités auprès de joueurs. Puis j'ai fait la rencontre d'une personne incroyable. La rumeur était donc vraie, Astero Black.
Cet homme, par le passé, a essayé de dominer le football par ses idéaux sombres. C'est l'empereur noir. Red Ark. En mode... C'est toi. C'est toi, je le sais. Hein? Alors lui, franchement, il est trop con. Toujours aussi con. La révélation de tension. On s'y attendait pas. Hein. Vraiment pas. Hein. Qui est-ce? Mais tout le monde le pensait mort. Je comprends la situation, je vais prendre le relais. Voilà, il était pas censé être mort. Vous êtes censé être mort. Mais on m'a sauvé. Tu vois, ça, non. Moi, je dis non. Je dis non. Pour moi, Red Ark, il n'y avait plus rien à apporter à Inazuma après la saison 3. C'était fini. Il est mort, il a fait sa rédemption. Il se fait tuer par son supérieur Zulan Rice, de mes couilles. Et c'est fini. Pour moi, la fin de Red Ark, c'était ça. Pour moi, la fin de Red Ark, ça devait rester comme ça. Là, ils ont voulu remettre Red Ark, le fan service. Pour moi, c'était la meilleure fin, c'était la fin de la saison 3. Ça aurait dû rester là et jamais le faire revenir. Ah ouais. J'avoue, il est nommé Lucien. Lucien, il a grandi, je crois. En fait, c'est pas Red Ark, c'est Lucien 1, d'accord. C'est Lucien, en fait. On m'a sauvé. Après que mon cœur se soit arrêté de battre. Un peu plus tard, les mesures de réanimation étaient prises sur mon corps alors que c'était interdit. Ah d'accord, ils kiffent les trucs interdits, Red Ark. Hein. Les techniques interdites, la réanimation interdite, un traitement interdit, oui, ah, d'accord. Ils n'avaient pas le droit, mais j'avoue, Lucien, d'utiliser ce traitement. Cette expérience n'était qu'au stade expérimental. Je me suis caché dans l'ombre pendant les 10 dernières années pour faire croire que j'étais encore mort. Mais comment le mec qui a traduit, il s'est dit que c'était Lucien. Voilà donc ce qui est arrivé. Pourquoi avez-vous décidé de nous coacher, Monsieur Black? Pour porter l'avenir de la Terre, l'équipe doit se battre. On doit les combattre. C'est vrai, on a besoin de potentiel. Mais il y a des meilleurs joueurs que ceux de cette équipe. C'est vrai. Depuis le jour où j'ai regardé la mort en face, j'ai pu voir quelque chose. Une chose que je n'avais jamais pu observer auparavant. C'est un pouvoir qui sommeille dans le corps de chaque personne. Un pouvoir. Je peux désormais voir le pouvoir d'une bête qui dort chez les humains, d'accord. C'est un gène que seules les personnes vivant sur cette planète possèdent. En gros, c'est les Jubis et tout, genre. Non, c'est un n'importe quoi. Hein. Ils appelaient ça totem dans l'Antiquité. Totem. C'est le même pouvoir que Trina a utilisé lors du dernier match. Le pouvoir qui dormait dans l'ADN de Trina a fini par se réveiller. Mon but est de réveiller l'ultra instinct défensif. C'est chaque joueur en contact. Ah mais c'est Dragon Ball vraiment. Dragon Ball Super le bail. Ça part trop en couille pour moi les gars du chat. Faut m'aider là. Ça part trop en couille. Une bête qui sommeille en moi. Les 11 joueurs présents ici sont dotés de ce grand pouvoir qui nous fera rivaliser avec les aliens. J'ai pas compris là. Nous avons un tel pouvoir. Et là il dit sauve-toi Arion. Je t'ai pris parce que tu es le seul qui a pas de pouvoir. C'est juste parce que t'aimes le foot que je t'ai pris. Et là Arion il part en dépression. Il quitte l'équipe. Et il rejoint les KFT. C'est pour cette même raison que je vous avais interdit d'invocation d'esprit guerrier. Vous pourrez jouer maintenant sans aucune restriction. Quoi? Quoi? Sérieusement? On va les démonter. Attends, maintenant c'est bon les esprits guerriers. Les Mix et Max aussi. D'accord, on peut pas tous. Mais ok. Mais c'est incroyable ça. Ça va être le gros bordel les matchs, hein. Il y aura 20 000 pouvoirs. J'invoque mon esprit guerrier, moi j'invoque mon armure, j'invoque mon totem, moi je fais un mixi-max. Ça va être vraiment n'importe quoi le terrain, sur le terrain. Les tactiques spéciales, les techniques, il y aura tout, il y aura vraiment tout. Arion, la charge que nous avons est bien différente d'avant. Nous portons l'avenir de la Terre sur nos épaules maintenant. Non pas les mixi-max, bon ça va, encore heureux quand même. Ça fera moins de trucs à faire parce que sinon c'est trop chaud après à gérer. L'avenir de la Terre,
On n'a pas le droit de perdre, Arion. Mais ça va être incroyable, mais on va être trop fort. Écoutez tout le monde. Mais c'est pas encore fini, c'est fou. C'est fou ce chapitre. Je vais encore sauvegarder du coup. Ah ouais, il est long. Hein. Se battre contre des extraterrestres et en plus il y a des bêtises, il y a des bêtes qui sommeillent en nous. Je suis vraiment perdu. J'en ai marre. On n'est pas les seuls à être confus. On dirait, calmons-nous un peu. Ils ont un parasite dans le corps, les gars. Ils ont un ver solitaire en eux. C'est ça le pouvoir, la bête qu'ils ont. Le coach pense vraiment pouvoir sauver la Terre. Ah, lui, il est toujours en dépression. Toujours en train de gueuler. Un alien est un mort-vivant, sérieusement? Et puis quoi encore? Trina, Terry, que comptez-vous faire? Par contre, il a pas respecté Red Ark. Hein. Il a dit que c'était un mort-vivant, ce fou. Oui, on va y aller. Ah oui! Tant que Terry reste, vous deux, clairement, cassez-vous. Faites des enfants dans votre lune de miel, je sais pas où. Partez de l'équipe et ne revenez plus. Partez du pays, même. Arion, tu dois prendre ta décision en tant que capitaine et je suivrai ce choix. Tu me donnes envie de continuer Galaxy. Ah bah, si ça vous fait kiffer, tant mieux. Hein. Tu dois prendre la décision en tant que capitaine, je suivrai ce choix. Moi aussi. Par contre, l'animé, franchement, il est mauvais, les gars. Je vais pas vous mentir. Ceux qui ont pas vu l'animé, il est mauvais. Vous pouvez le voir, pour histoire d'avoir tout vu et vous faire votre propre avis. Peut-être il y en a qui aiment, il y en a qui disent j'adore Galaxy. Mais en général, la plupart des gens disent qu'il est très mauvais. Et puis, moi, en tout cas, je vous dis que pour moi, il est très mauvais. C'est le pire. Hein. Moi aussi, je suis à protéger ceux qui sont chers. Ok. Prêt à protéger, vous voulez dire, je pense. Je me doutais bien que ce tournoi avait un revers. Mais cette explication demeure insensée. Victor, il a changé de coupe? Ah bon? Est-ce vrai, le football doit être intéressant dans l'espace? Mais cela est vrai que si on l'admet dans le bon sens. Néanmoins, je demeure vraiment impressionné par cette possibilité. Ouais, on est d'accord les gars. Qu'est-ce que t'en penses, Arion? Nous devons aller dans l'espace? On n'a pas trop le choix en fait. Et voilà. S'il vous plaît, faites pas revenir Eugène, s'il vous plaît. N'appelez pas Eugène. S'il vous plaît, pas Eugène. S'il vous plaît, des grands joueurs. Je veux des grands noms. Des joueurs de talent. N'appelez pas les Eugène, s'il vous plaît. Oh, il y a deux joueurs. Ah. Oui, c'est ce qu'on veut. On veut lui comme coach. Voilà. C'est ça qu'on veut. Il m'avait manqué ce con. Oh là là, ce Flo. Ça fait plaisir de le revoir. Mais après, bon, je vais poser les trucs tout de suite pour ceux qui disent que c'est Zanark. Ce n'est pas Zanark. Ce n'est pas Zanark. Tous ceux qui disent que c'est Zanark, non, ce n'est pas Zanark. En gros, c'est son descendant. Une fois, j'avais même fait l'erreur dans une de mes vidéos, j'avais dit que c'était Zanark, mais non. En fait, c'est son descendant direct. C'est son arrière-petit-fils ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas son arrière-petit-fils, non, en fait. C'est son... je sais pas, son antécédent, je sais rien. C'est le daron de Zanark, je crois. C'est le daron de Zanark, c'est son ancêtre, voilà. C'est son ancêtre, j'ai dit de la merde. C'est l'inverse, ouais. Voilà, c'est son grand-père. Le grand-père de Zanark, tu vois, on connaît le grand-père de Mark. Bah, lui, c'est le grand-père de Zanark, voilà. Je me nomme Zach Avalon.
Bah je pense que le nombre de fois où je vais me tromper, je vais l'appeler Zanark au lieu de Zack, je suis déjà désolé d'avance. Hein. Mais je crois qu'il est plus nul que Zanark. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il... Je crois qu'il a pas, il a pas le même niveau, il est moins fort. Tiens donc, en parlant de Zack Avalon, la famille Avalon est célèbre pour ses qualités de Kabuki. Quoi le Kabuki? C'est un élève du premier cycle du secondaire. Qui joue un rôle extrêmement actif dans le Kabuki. Mais qu'est-ce que c'est? Un acteur de Kabuki? Ok, c'est un acteur de charme, c'est quoi le Kabuki? Même si je suis un acteur de Kabuki, je suis un petit citoyen sans nom. L'inconnu sans nom. Oh, elle a pas mal la ref. Concernant le 11 terrestre, 12 joueurs dont Zack Avalon participeront au Grand Celestia Galaxy. Ouais, c'est même plus que son, c'est même plus que son grand-père en fait, c'est parce qu'il y a 200 ans d'écart, donc oui. En fait, c'est son arrière-arrière-arrière-grand-père quoi. Choisir comme joueur un acteur de Kabuki. C'est un genre de théâtre traditionnel japonais. D'accord. Putain, moi j'ai dit que c'était un truc de charme et tout. j'ai insulté le Kabuki là. Oui, mais il possède le pouvoir de la bête tout comme vous. Et donc je me suis dirigé vers Marc pour négocier avec Zack. C'est parce que la persuasion de Zack ne peut être réalisée que par Marc, d'accord. Au début, Zack avait refusé. Cependant, j'ai baissé les bras et j'ai continué à insister. C'est un vrai challenge que je te propose. Viens le relever avec nous. Marc Evans qui vient me voir pour ça. Pourquoi il est tout timide et tout Sois énervé un peu. Pourquoi une personne telle que vous essaierait de m'obliger à jouer au football? Je suis confus. Je sais qu'il y a une raison à cela. C'est ça, comprends-tu? Je vais t'expliquer. Il va lui dire, il y a des aliens et tout. La raison est toute simple. Je veux que tu joues au football. Ah, d'accord. Ok. Pour affronter, voilà. Pour affronter l'univers. Hein? Il a pas compris, hein. Ah, il l'a cru direct. Il est naïf. J'ai cru aux paroles du coach Evans me disant que j'avais ce pouvoir et j'ai donc accepté. Assez bavardé, je vais vous montrer ce que j'ai à faire. J'espère qu'il est fort, mais je pense qu'il sera déjà meilleur que certains. Bah, c'est sûr, il sera déjà meilleur que certains. C'est quoi ça? En vrai, je suis mitigé. Je sais pas si c'est fort ou pas. Incroyable. Ah, mais ça se trouve, c'est super puissant. Mais la gestu au moment où il tire. Ok, donc il est peut-être chaud, ouais. Ouais, c'est le masque du théâtre de Kabuki. La musique est incroyable. Ah, elle est incroyable. Ça rappelle les petits souvenirs là. Petits souvenirs. Nous sommes les 12 joueurs qui battront pour. D'accord, qui se battront pour remporter le grand Celestia Galaxy. Mais pouvons-nous vraiment le faire? Oh, vas-y, vous cassez les couilles. Voilà, Marc. Bon, elle ment, c'est parce qu'il y a de l'argent, mais bon. Ah, il est content là, là il est heureux là. Ah mais lui, dès qu'il arrive, il te pose toujours des vrais discours. Et il repart comme ça. Il te pose un putain de discours et il se casse. Mais viens avec nous, Marc, viens. Recrute Pouane. Et en vrai, il mérite Pouane d'aller dans l'espace aussi. Mais après, la fusée, elle va dépenser beaucoup plus de carburant avec Pouane dans la fusée. Et c'est vraiment dramatique, nous ne pouvons pas, pas nous battre pour sauver la Terre quand même. Nous devons nous battre. Ok, on est obligé.
Allez, My Hero Academia. Les Avengers, on appelle notre équipe maintenant. De poigne, c'est la nouvelle lune. Vous êtes des bâtards, vous êtes des cracks. Minaho, Manabe. Bon, Falco, il a vraiment aucune raison de venir, en vrai. Demain, nous nous réunirons à l'entrée du dortoir afin de procéder au départ. Vous avez quartier libre jusque-là. Préparez votre voyage et saluez convenablement vos familles. Très très bien. Mais Arion, et salue ton père, oh, ça serait cool aussi parce qu'on sait pas qui c'est. Hein. Je saluerai également les membres de, la famille. Nous attendrons avec impatience votre soutien formel demain. Mais il va s'arrêter quand ce chapitre? D'accord. On peut plus mettre d'objets? Le chapitre est interminable. Qu'est-ce qu'on fait? On finit, mais... Faut que ça se finisse un peu. Bientôt, bientôt. Allez, on va jusqu'au bout, hein. On a dit, on va jusqu'au bout dans la galère. Hein. Du coup, il a dit qu'il fallait aller saluer... Oh putain, dis-moi pas qu'il faut aller saluer tous les... Oh non, on fait chier. Allez, bon, on retourne à Raymond. On finit, les gars, on finit le chapitre, c'est bientôt fini. Apparemment. Ils ont su former une bonne équipe. Oui, mais ils ont une charge lourde sur leurs épaules. Nous devons nous concentrer... nous contenter de ce que nous pouvons faire. Envisages-tu une progression de leur part, Jude? Oui, ce n'est qu'une question de temps, mais cela va prendre encore du temps. D'accord. Ok. Bah, ça va rien. Enfin, tu te répètes, Jude, mais bon. Non, pas encore. Ce n'est qu'une histoire facile à accepter, selon moi. Je vais leur expliquer la situation ce soir. Il veut faire quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Retourner au quartier résidentiel. Ah bah allez, on y retourne. Encore 25 minutes. Non mais les gars, il n'y a pas encore 25 minutes là. Là, il y a 10 minutes même pas avant la fin. Il faut que ça s'arrête là. Oh non, oh non. Allez, allez, on va dans la galaxie là, c'est bon. On peut pas y aller dans la galaxie? Putain, fais chier. Regardez qui on doit se taper. Fais chier. Bonne arrivée, Arion. Félicitations pour avoir emporté les qualifications asiatiques. J'étais si ému. T'as franchement, il m'a pas manqué. Hein. Honnêtement, entre nous, les gars, on peut le dire. JP, je faisais des vannes sur lui et tout. Mais là, il m'a pas manqué. Hein. Il m'a pas manqué. Hein. Oui, JP, tant Sylvia. Vous savez, parce que Terry, c'est tellement bien d'avoir Terry au goal. Vous savez pas ce qui s'est réellement en train de se passer. Je vais tout vous expliquer. Ah, il va me casser les couilles, JP. Il va revenir, c'est sûr. Hein? Toi et les joueurs allez représenter la Terre? Eh ouais, pas toi. Toi, tu restes là. Nous sommes obligés de lutter contre les extraterrestres sous le nom du 11 terrestre. C'est décidé, je vais partir dans l'espace dans le but de protéger la Terre et de vous sauver. Arion, je suis encore confuse. Mais je te comprends, je crois en toi. Arion, sois aussi fort que tu ne l'aies jamais été dans l'espace. Je voudrais y aller moi aussi. Putain, voilà. Voilà, fallait pas lui parler. Je sais que c'est difficile, mais je veux combattre aux côtés d'Arion en tant que représentant de la Terre. Je vais pouvoir aider Arion, alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. JP. Je comprends. Allons demander au coach Black. Je pense qu'il va t'accepter. Mais ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. T'imagines, ça marchait vraiment comme ça pour rejoindre une équipe de ouf. Après, ça marche, mais dans le football amateur.
S'il y a la star du club, il dit au coach, ouais, ou le capitaine, il dit, ouais, fais-moi jouer mon pote, parce que c'est mon meilleur pote, il va le faire jouer, mais pas un professionnel, pas pour représenter la Terre dans la galaxie. Ah, après, à cause de JP, on va tous mourir, les gars. Auparavant, on m'avait dit que le seul objectif en tant que gardien était de garder les buts. Mais cette fois-ci, le poids à soulever est bien différent. Le destin de la Terre est en enjeu. Pouvons-nous atteindre ce but? Aimes-tu toujours faire les choses seules? Ce n'est pas ça, je ne veux pas ralentir tout le monde à cause de mon manque d'expérience. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça une fois. Le football est une harmonie réunissant 11 joueurs. Oh, David! David, putain, on t'oubliera jamais. Ce n'est que lorsque tout le monde est ensemble que le chemin de la victoire se présente à nous. C'est David qui a dit ça. Les gars, on est d'accord. T'as la légende. Une harmonie de 11 joueurs. Si nous encaissons un but, nous le récupérons. N'oublie pas que c'est ça une équipe. Putain, il me manque David. Il est mort en plus. Mais c'est David. Cette légende. Je me demande si je dois vraiment aller dans l'espace. Tu sais, t'es pas obligé, hein. On oblige personne, nous. L'univers, c'est un peu effrayant, mais c'est pour aider Arion. Arion est parfois incompréhensible, mais je dois le suivre en tant que manager de l'équipe. Notre petit tri déjà, donc il va falloir... Donc après avoir joué au football sans notre permission, tu vas dans l'espace. Si t'es d'accord, chérie, je le suis aussi. Mais t'imagines, mais les parents, enfin, c'est pas réaliste quand même. Hein. C'est pas réaliste. T'imagines, tu dis à tes parents, je me casse 3 mois parce que je vais jouer un tournoi intergalactique dans l'espace. Préparez-vous. Si je reviens pas, bah c'est que la Terre a explosé. Non mais c'est absolument pas réaliste. Le daron il rigole. Je vais vous soutenir en relayant depuis l'espace, d'accord. Se trouve, je sais, c'est pas réaliste. Hein. Quelle réaction? Bien. Vu que mes parents ne me croient pas, je vais briller au milieu des étoiles. J'ai lu trop de romans. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Qu'en est-il du football? Comment? Vous n'objectez plus pour que je joue au football? Au contraire, j'admire tous les matchs avec papa. Allez, il va leur dire qu'il va aller dans l'espace. Tu ne retourneras à l'école dès que vous aurez fini. Ça part trop en couille. Ça part trop en couille pour moi. Ce type était vraiment des aliens, Buddy? Oui, c'est exact. Nous allons nous battre dans l'univers pour devenir plus fort, Buddy. Ne t'en fais pas, Judy. Je vais m'occuper de ces extraterrestres à ma manière. Tu plaisantes, j'espère. Hein? Ah, Buddy, j'imagine que tu voulais encore nous dire que... Non, non. La prochaine étape devrait être le tournoi mondial, non? On est tous avec toi, bonne chance. Ah, ils l'ont pas cru? Ah, ils l'ont pas cru? Ah, là, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ils l'ont pas cru, je crois. Papa, je suis impatient de voir à quel point mon pouvoir de raisonnement peut être communiqué aux extraterrestres. Ah, lui, il va trop kiffer, lui. Je ferai de mon mieux, alors surveille-moi, papa. Lui, il va trop kiffer, lui. Dans l'espace. Ah, c'est son daron. Un homme qui voulait devenir champion du monde de boxe vise un niveau supérieur maintenant. Père, crois-tu en cette histoire? Tu sais, je peux savoir si tu dis la vérité ou pas. Rien qu'en croisant ton regard. Ça, lui, son daron, c'est un bon. Ok, oui, tiens-toi debout sans penser à reculer. Donne-toi à fond et prends du plaisir. Ok, allez, champion de l'espace. Le Galactic Football, on va faire. La Galactic Football Cup. Bonne chance, grand frère. On compte sur toi. En vrai, j'ai envie de rester avec vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a aucune raison d'y aller, lui. T'inquiète pas pour nous. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez personne. Parce que tu as un héros qui doit sauver la Terre. Je suis un héros. Par là, il va voir Vlad. Il va voir le Vlad. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller dans l'espace. Putain, Vladimir, putain, quel goat aussi.
Quelle légende ce Vlad. Oh non, s'il te plaît, dis non, dis non. S'il vous plaît, coach, vous en prie, emmenez-moi dans l'espace avec Carion. JP est sérieux dans ses propos, veuillez accepter sa requête, s'il vous plaît. Je refuse. Ah oui, Redark. Comme ça, je t'aime. Il ne m'est d'aucune utilité. Alors évaluez-moi, je me suis entraîné d'arrache-pied pour rivaliser avec le monde. Je ne perdrai pas face à... je passerai face à personne quand il s'agit du football. Alors s'il vous plaît, tu me fais perdre mon temps. Il l'attège. Il l'attège. Magnifique. C'est beau. Hein. Pourquoi ne veut-il pas de moi? Je dois pouvoir faire quelque chose. Arion. Oh non, il veut vouloir eux aussi. Oh, blue screen, attendez les gars. Ah non, c'est... j'ai cru que c'était un bug. Les amis. Ah si, c'est un bug. Attendez. Je vais tenter un truc. On va relancer le jeu. What? Attendez, c'est normal ou pas ça les gars? Au pire, attends, on va voir si on passe la scène, ça fait quoi? Ça se trouve c'est juste la scène qui bug hein. C'est normal. Oh les joueurs du 11 terrestre sont arrivés. T'inquiète pas, moi aussi je l'ai eu. Et après ça redevient normal ou pas? N'allons pas revoir nos amis de Raymond pendant un moment. Nous devons les saluer avant notre départ. C'est normal, ok. Ok, bon ça va, c'était rien, c'est une petite scène de rien du tout. Et y'en aura d'autres des bugs ou pas? Dans le let's play. Putain mais le chapitre interminable quoi. Un football se jouant dans l'univers entier. Vous avez vraiment de la chance de pouvoir voyager dans l'espace. Ce n'est pas aussi marrant que ça Hector. Allez on s'en fout, désolé là hein, c'est bon. Toi aussi il faut te parler. Putain mais on en a rien à foutre. C'est que cette scène. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'eux vraiment. Ah non vas-y toi. Parlera à la fin toi. Toi on te parlera à la fin. Vous n'avez pas un super physique, vous pensez vraiment pouvoir terrasser des extraterrestres? Ah il a dit attaque-moi je t'empoisonne. Ah il est tellement nul Michael, il est tellement nul ce mec. Lui je crois que c'est un des mecs qui pète vraiment pas plus haut que son cul mais de toute l'histoire vraiment. Il est tellement mauvais, il se pense tellement fort. Et tu vas jouer au foot avec des extraterrestres, c'est cool. T'es un marrant toi, le destin, lalain. Allez on s'en fout. Et Eugène on skip encore ses dialogues hein, ça change pas. Ouais c'est le plus long chapitre, après c'est peut-être le meilleur. C'est quoi votre chapitre préféré pour l'instant les gars? Arion, je suis vraiment content de t'avoir connu grâce au football. Parce que je me suis fait de bons amis et j'ai pu rencontrer mon meilleur ami. Arion, nous continuerons de jouer au football ensemble, je te le promets. Oui. Il y a qui que j'ai pas parlé là? Le 5 et le 10. Le 10 on l'a pas fait encore. Celui-là. Le dernier. Bah en vrai celui-là quand même. Ah il y a la tic et tac, ok. On les oublie toujours eux. L'arche celui-là. Ok, là c'est en japonais, parfait, on peut skipper. Bah les couilles. Et ils veulent pas nous lâcher. Hein. Il est encore en train de flipper lui. Mais c'est interminable, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non mais c'est trop, ils sont trop attachés aux anciens persos, les... ceux qui font les scénarios dans Inazuma, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah c'est peut-être là, je crois que c'est là, que c'est pour cette scène je crois qu'on attend depuis tout à l'heure. Je crois que c'est maintenant qu'on va être récompensé les gars. Je crois que c'est pour là qu'on attend depuis tout à l'heure.
Partez en voyager dans l'espace. Oh non, j'ai pas envie. Attendez. Est-ce que le voyage dans l'espace s'arrête avant le chapitre ou pas? Est-ce que on pourra sauvegarder avant de partir dans l'espace et s'arrêter ou pas? C'est ça ma question. Oui? On pourra s'arrêter? Non mais les gars, je veux être sûr hein, parce que sinon je coupe hein. J'ai pas envie de faire tout le dialogue de l'espace et tout. Oui? Oui? Ok. Bon bah vas-y, on le fait alors. Allez, c'est parti, le moment qu'on attendait tous. C'est là, franchement, ceux qui sont restés jusque là, vous avez bien fait. Vous avez vraiment bien fait. On va faire le truc incroyable du let's play, la meilleure sensation. On va avoir des nouveaux joueurs de folie, je vous préviens. Et on va aller choisir ensemble, on aura le choix. Vous allez voir. Venez, on fait un pile ou face, on prend Eugène. T'imagines, jamais de la vie je fais ça. Même Yona, il me fait un don de 100 balles là, je le fais pas. Jamais de la vie. El Casito, on va voir les joueurs qu'on pourra prendre. Du coup, j'ai sauvegardé là. Allez, c'est parti. Ça doit être là normalement. Oui, Jude. Oh là là, regardez qui l'a ramené à droite. Regardez qui l'a ramené à droite. Et à gauche. Au milieu, on s'en bat les couilles. Mais à droite et à gauche, c'est magnifique. Oh là 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 là, des nouveaux joueurs. C'est ce que je veux. Ah, il y a Wunderbar. Incroyable, c'est lui qui les a ramenés du coup. Là les gars, il va falloir faire la sélection. C'est nous les coachs. Putain, c'est incroyable. Avec ces extraterrestres, bah oui clairement. Mais c'est ça qu'il fallait faire dans l'animé aussi. Ils auraient dû faire ça dans l'animé, je suis désolé. Et ils auraient fait ça dans l'animé, ça aurait été une dinguerie, on est d'accord. Prends Aridon. J'accepte. On est d'accord les gars, ils auraient fait ça dans l'animé, ça aurait été une dinguerie. C'est assez scandaleux. Ah ta gueule. Non, ils sont quand même venus hein. C'est à dire que Eugène il a vraiment confiance en lui pour être pris quoi. Wan Li aussi, Mikael aussi. Ils ont confiance, ils se disent on a une chance d'être choisi. J'y paye les pas. Sinon c'était pas logique, Redark il a dit qu'il s'en battait les couilles de lui. Redark il déteste JP. On peut en prendre. Attends mais 11 c'est énorme. 11 joueurs dans la réserve. Mais c'est trop bien, 11 joueurs. C'est un truc de ouf, on prend une équipe supplémentaire les gars. Mais dinguerie. Mais incroyable. Oh je t'aime Jude. Ah là, les gars on peut tous remercier Jude. C'est le héros du let's play. Oh putain merde. Faut faire gaffe les gars. 11 tirés, choisissez 11 mondes supplémentaires parmi un total de 36 candidats. Il y a 36 candidats et il y a que 11 places les gars. Voilà là. Alors là déjà on va peut-être pas en prendre beaucoup dans ici. Déjà le chat va falloir se mettre d'accord. Il y a tout ça. Oh là. Oui. Oui. C'est ce que je veux. Et là les gars, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris Big Bang. Il y a cette personne, ce joueur phénoménal. Cette star, ils sont tous niveau 20. Voilà les gars, vous savez qui je vais prendre en premier hein. Je suis obligé de le prendre, c'est mon joueur préféré de tout Inazuma. Il est là. Oh là 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 là, ça va être trop chaud. Allez les gars, on prend Paolo hein. Direct on prend Paolo. Il nous restera 10 joueurs.
Paolo, c'est validé. Paolo, c'était sûr. Alors, maintenant, faut réfléchir au prochain. Les gars, faut réfléchir. Mais il faudra qu'on réfléchisse bien et qu'on prenne pas que des attaquants ou pas que des milieux de terrain. Dans les 11 joueurs, il faut quand même des défenseurs. Maintenant, on va prendre le trio. On prend le trio. Le quadrio. On prend les 4 là. On est obligé, les gars. Là, il nous reste 6 joueurs du coup. Mais là, on a pris Marc, Jude, Axel, Sean. Bailong, on le prend aussi. Il est trop fort. Je pense Alpha, Beta, Gamma, on s'en bat les couilles, on va pas les prendre. Sort. Goldie, elle est super chaude en mode forte. Goldie et Gabi, les meilleurs défenseurs. Non, mais moi, je prends des joueurs que j'aime bien. Bailong, on l'a pris. Ryoma, Gabi, Goldie en défense. Qui on prend, les gars? Un défenseur. Maintenant, on choisit un défenseur, le chat. Maintenant, vous me dites un défenseur. En défenseur, on a quoi? On a Subaru. Enfin, non, bon, je vous l'ai dit tout ça, allez. Subaru, Gabi, Wanli, Heitor, Goldie, Nathan, Sor, Jack, Hurley, et c'est tout. On en prend un pour l'instant. Gabi, Goldie, Gabi ou Goldie, Vulpen, Gabi, Goldie, Goldie. Et Nathan, rip, hein. Les gars, vous en battez les couilles de Nathan. Goldie, sort. Goldie ou sort? Ils ont quoi comme technique? Jack, il a le mur, la muraille, ok. On va regarder leurs stats. Défense 72, 78. Jungle sauvage. Esquive acrobatique. Défense 105. Et Gabi, il a combien? Ah, il est moins bien. Et Nathan. Nathan, c'est un bon quand même, hein. Moi, c'est du coup, les gars. En vrai, soit Nathan, soit Goldie. Goldie, elle est ouf. Goldie. Allez, on prend Goldie, les gars. On prend Goldie. On a pris Goldie. On prend qui maintenant? Maintenant, un milieu de terrain. On a un gardien avec Marc. On a qu'un seul milieu de terrain. On va en prendre un deuxième. Du coup, on nous reste qui? Il nous reste Kruger, Quagmire, Aphrodite, Byron, Tori. Bah, Tori, jamais on la prend. AD, Eugène et Ryoma. Voilà. On prend Byron, je pense qu'on est d'accord. Hein. Byron mérite. Je pense que c'est le meilleur. Donc, clairement, on prend Byron. Oula, j'ai pas compté. Il nous en reste 3, je crois. Plus que 3. Hein. Ok, on a pris Byron. Du coup, il nous reste 3 joueurs. Putain, Quentin, on a trop de gardiens, malheureusement, je vais pas pouvoir le prendre. Quentin, on va pas pouvoir le prendre, les gars. On a trop de goals. On va avoir Marc, l'autre gardien titulaire Terry et JP parce qu'il va venir, ce connard. Il va quand même vouloir venir. Du coup, on peut pas prendre Quentin. On prendra pas Quentin. Vulpen. Il y a Canon, j'ai même pas vu. Ah ouais, il y a Canon. Ouais, mais les gars, Canon, il est naze. Vulpen, il est fort. Ah ouais, il est chaud, sa mère. Ah ouais, il est chaud, mais après, le perso en soi. Ok, les gars, maintenant on va recruter un attaquant. On va voir les attaquants qui restent, on va recruter un attaquant. Donc il reste Michael. Maintenant vous me dites que des noms d'attaquants. Michael, Lucien, Faye, Alpha, Beta, Gamma, Vulpen, David, Austin, Torche, Canon. On prend qui, les gars? Faye? Faye, il est vraiment bon. Allez, on prend Faye. En plus, ça fera plaisir à Nemodo. On prend Faye, les gars. Faye est dans l'équipe. J'espère il va être fort. Il nous reste 2 choix maintenant. 2 choix. Je suis désolé, hein. Il y a forcément des joueurs que j'aurais aimé prendre. Que il y en a forcément, c'est leur perso préféré. Je suis déçu si je les prends pas. Hein. Désolé. Hein.
Qu'est-ce qu'on prend maintenant? On a combien d'attaquants? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 attaquants parmi les 11. On a un défenseur. Et on a 2 milieux avec Paolo qui peut peut-être jouer milieu aussi. On prend qui maintenant, les gars? En vrai, il nous faudrait peut-être... J'hésite, je vous dis les persos avec qui j'hésite maintenant. Maintenant, je vous dis les persos avec qui j'hésite et vous allez me dire entre les noms que j'hésite, qui vous prendrez. Alors, j'hésite entre eux. Déjà, ici, je regarde. Ici, je vais prendre personne. Ici, je prends plus personne d'ici. Gabi, je ne le prendrai pas. Ici, je prendrai personne. J'hésite entre eux. Nathan. Sor. Vulpen. Ici, il y a ces trois-là. Et ici, j'hésite entre... Attends, je l'aime bien quand même, mais... C'est surtout là que j'hésite, entre Nathan Sor et Vulpen. Nathan Sor, Vulpen. Et Austin, peut-être aussi. Austin. Nathan Sor, Vulpen et Austin. Qu'est-ce qu'on prend? Ah les gars, c'est trop dur le chat. Mais en vrai, je pense que je vais prendre moi comme j'ai envie. Parce que le chat, vous avez tous des avis différents. Je vais prendre Vulpen. Bel attaquant. Et le dernier joueur maintenant. Le dernier joueur de la sélection. Ça se jouera entre Nathan et Sor. Il nous faut un défenseur, on en a pas assez. Donc soit Nathan, soit Sor. Ce sera un des deux derniers. Le reste, je pense que on prendra pas. Voilà, donc désolé les fans de Jack et tout, King et tout, mais on peut prendre que 11, sinon je les aurais tous pris, hein, clairement. Sor ou Nathan, maintenant? C'est ça la question. Putain, les deux, ils ont l'air chaud sa mère. C'est ça le problème. Les gars, moi, on voulait pas, je vais faire des déçus, hein. On voulait pas, hein. Nathan... Les gars, on prend à Nathan du trio ou pas? Enfin, du... Ou ça, il m'aura quand même bien fait rire, ce con. Puis c'est dire, hein. Je le regarde juste pour voir avec qui il vient le mieux le maillot. Là, c'est important, les gars. Hein. C'est pour ça que je prends mon temps. J'aimerais bien prendre les deux, ça fait chier. Allez, on va prendre. On va lire les stats. On prend Nathan pour la nostalgie. Vive les anciens, les gars. Allez, j'ai pris Nathan, les gars. Ça aurait peut-être meilleur, mais j'ai pris Nathan. Les gars, c'est pour la nostalgie. C'est pour. Nathan, il est bien plus emblématique. L'Orion Express. Ok, très très bien. Oh là. Attends, mais c'est... Attends. Elle fait pas que la bouffe, elle. Elle est chauffeuse du truc. La meuf, elle travaille chez la NASA, chez SpaceX. On comprend pas. Cuisinière, mais là par contre l'équipe qu'on a c'est la folie, hein. C'est la folie. Le vaisseau du turfu. Là ça m'a hypé de ouf pour le prochain chapitre. On va voir des vrais joueurs jouer, on va faire notre vraie stratégie, les gars. Malheureusement Marc il va pas venir, je suis dégoûté par contre. Enfin ici il viendra mais petit. Je voulais qu'il vienne en tant que coach aussi. Oh non. Qu'est-ce qu'il veut? Eh les gars, j'espère que vous m'avez pas menti. On peut sauvegarder, j'espère, hein, avant de partir. Hein. Sinon, le... Attendez. Eh oh, on sauvegarde, là. Hein. Je veux sauvegarder. Vous m'avez bien eu. Bravo. Allez, est-ce qu'on peut sauvegarder, là?
Oh, c'est la fin, ok. Ok, parfait, ça s'arrête. Hop, oh, pile poil au bon endroit. Ça va, vous m'avez pas trop menti, ça va. Parfait, c'est exactement parfait, ça s'arrête au bon endroit. Ok, donc la prochaine fois, je pense pas que le chapitre sera traduit, ou alors que des petits passages. En tout cas, pas tout. Donc je regarderai l'animé pour vous expliquer l'histoire. Dites-vous bien que je vais me retaper Galaxy pour vous, hein, les gars. Je vais me retaper les épisodes chiants. Oh là, des Pokémon maintenant. Des Pokémon. Bon, on sauvegarde, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi ce chapitre et cet épisode. C'était vraiment incroyable. C'était le meilleur chapitre. Là, on est équipe de ouf. Je suis plus que hypé par la suite du prochain chapitre. Même si le jeu ne sera sûrement pas tout en français, comptez sur moi pour vous expliquer en gros l'histoire un peu du chapitre, ce qui va se passer à chaque fois. Je vais me retaper l'animé pour vous expliquer. Et puis sur ce, les gars, j'espère que vous êtes hypé pour la semaine prochaine. Alors, oui, petite précision, la semaine prochaine, je vais pas pouvoir live le week-end. Le week-end prochain, ça va être très compliqué pour moi de live. Donc, je pourrai pas live. Malheureusement, c'est comme ça. J'avais oublié, je suis en train de vous le dire, de m'en rappeler maintenant. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je liverai soit le lundi, soit le mercredi prochain, je sais pas. Mais peut-être le lundi. Ou alors on fera une pause d'une semaine, je sais pas. Je suis désolé, les gars, c'est que j'ai un truc, je serai pas chez moi. Donc j'avais complètement oublié de vous le dire. Mais en tout cas, voilà, la hype est là. On attendra peut-être un peu plus longtemps. Demain, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est en live sur Captain Tsubasa. La semaine prochaine, l'épisode 1 qui sort sur YouTube en best-of. Voilà, les gars. J'espère que ça vous fait plaisir. Et sur ce, bon appétit à tous. J'ai vraiment hâte de continuer la suite avec cette nouvelle équipe. Là, ça m'a hypé. J'en avais ras le cul de ces 11 joueurs. Là, c'est bon. On a une vraie équipe maintenant. On peut continuer let's play et on peut tout défoncer. Voilà, les gars. À la prochaine. Merci pour ce live incroyable. Et ciao, les gars. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu. Hein. Je vous vois partir là sans lâcher le pouce bleu. Lâchez le pouce bleu, les gars. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine.